Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Florence, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour nous pencher sur le nouveau boss européen du nom de cette ambition portée par la Commission européenne de rendre un mode de vie plus durable, également attrayant, désirable, confortable et beau. Alors ce terme de boss renvoie bien sûr aux années 1919-1933, donc avec ce mouvement historique, cette école d'art globale fondée par Walter Gropius, organisée en disciplines, donc architecture, photographie, danse, costume, design, etc. Alors comment aujourd'hui penser justement cette coopération entre cerveaux dans un mouvement transdisciplinaire et paritaire entre sciences, technologies, arts et culture, actions publiques et communs, dans un contexte de mutation, climatique, sociale, culturelle, etc., plutôt que d'un contexte de crise ou même d'un enchaînement de crise. Donc, autrement dit, comment reprendre une formulation contemporaine de la proposition du Bauhaus ? Nous allons tenter de lancer des pistes en défrichage de cette vaste question dans une exploration de l'ampleur de l'objet que constitue ce nouveau Bauhaus européen, ainsi que les regards critiques posés sur celui-ci. Et oui, Florence, et notre chat est ouvert. Il est ce matin conduit par Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, sur le chat, vous pourrez poser toutes vos questions et trouver des ressources et des liens au fur et à mesure de l'émission. Voilà, donc un chat, réagissez, et on saisira les questions ou les commentaires. Et Céline aussi amènera un certain nombre de ressources documentaires tout au long de la matinée. Alors, l'articulation justement de cette matinée se fait autour de, on va dire, de 5 actions simples. Nous avons choisi de ne pas rentrer par discipline en réfléchissant, ça pourrait dire pour l'architecture ou pour d'autres disciplines, mais de rentrer par des domaines de notre vie. Habiter, manger, on verra peut-être s'habiller ou en tout cas un rapport de nos corps à l'environnement, mais aussi de comment concevoir, imaginer et comment se gouverner. Alors ces entrées, elles sont, dire effectivement, au nombre de 5, on aurait pu en prendre d'autres peut-être, c'est celles que nous avons choisies et elles vont nous permettre quand même de regarder, effectivement, comme le disait Florence tout à l'heure, de défricher peut-être cette idée de Bauhaus dans ce moment-là, mais aussi de peut-être réfléchir ensemble à la proposition de Bruno Latour, qui est intéressante dans son dernier ouvrage, qui nous dit où atterrir. Et peut-être derrière cet ensemble de questions, où atterrir, c'est comment re-rendre une matérialité à nos actions ou une conscience de la matérialité de nos actions. Alors, pour ceci, nous avons essayé de faire un petit tour d'Europe. Donc, nous avons différents invités avec lesquels nous aborderons tout ceci en veillant, pour nous, toujours, à garder un lien avec la question des biens communs, la question des multitudes, la question des pluralismes, la question de la diversité, et puis peut-être aussi le fait qu'il n'y aura pas résilience sans équité sociale. Pour nous accompagner tout au long de cette matinée, nous accueillons Xavier Troussard, chef de l'unité nouveau Bauhaus européen au Centre de recherche conjointe de la Commission européenne. Bonjour Xavier. Bonjour Pascal, bonjour Florence. Bonjour Xavier. Et nous accueillons également Camille Pajard pour cette première séquence. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille Pajard, vous êtes historien de l'art et enseignant. Votre travail lit l'histoire de l'art, de l'édition et de la poésie contemporaine. Nous allons tout de suite regarder un film que vous avez réalisé pour mettre en perspective critique cette notion de nouveau Bauhaus européen. On regarde. En 1983, le film Prédateur de Tony Scott met en scène Catherine Deneuve, Suzanne Sarandon et David Bowie dans une nouvelle actualisation de la figure du vampire. Dramatique, stéréotypé, mélodramatique ou burlesque, depuis les années 20, le corps du vampire tué à chaque fin de film est sans cesse réanimé. Dès les premières images, Tony Scott choisit un cadre contemporain et issu de la culture populaire.
Il offre aux spectateurs la vue du chanteur Peter Murphy, tel un monstre en cage, interprétant le titre Bela Lugosi's Dead, premier single que son groupe Bauhaus avait sorti en 1979. Bela Lugosi était l'interprète fameux du comte Dracula dans le film éponyme que Todd Browning sort en 1931. Mais sur la pochette de l'album, c'est une autre référence au film d'horreur moderne qui apparaît. Le groupe a en effet choisi de montrer une image d'un film de Griffith de 1926, Les Chagrins de Satan. Une ombre d'ailes déployées, projetée sur le mur d'un intérieur bourgeois, enveloppe un homme effrayé. En dessous est inscrit le nom du groupe dans la typographie universelle que le designer Herbert Bayer avait dessinée l'année précédente, en 1925, alors qu'il débutait son enseignement à l'école du Bauhaus à Dessau, en Allemagne. En bas, le nom du titre est écrit à la main, comme une signature. L'ensemble porte les traces d'une mauvaise reproduction à l'aide d'une photocopieuse bas de gamme. Le film de Tony Scott montre deux modernités s'affronter. Celle d'un couple de vampires qui s'appuient à renouveler depuis 300 ans la magie de leur amour, et celle d'un XXe siècle finissant, régi par la médicalisation clinique. De même, la pochette du single montrait deux phases d'une même modernité. En s'emparant à la fin des années 70 du nom de l'école fondée en 1919 par Walter Gropius, le groupe de Northampton s'insérait dans la lignée des groupes de post-punk issus des écoles d'art anglaises qui multipliaient les références à l'histoire de l'avant-garde. Cabaret Voltaire empruntait son nom au lieu de naissance de Dada, tandis que Peur Ubu et les Talking Heads se tournaient vers Alfred Jarry et Hugo Ball. Toutefois, le montage de Bauhaus joue d'une forme de désillusion romantique. Le Bauhaus renvoie à une avant-garde artistique tournée vers l'émancipation industrielle dont les idéaux ont été transformés en aliénation dans les premières années du thatchérisme. Quant à Lugosi et Griffith, ils incarnent un univers gothique aux racines victoriennes qui connaîtra de multiples renaissances grâce au médium de divertissement par excellence, le cinéma. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats. Millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dracula? What's he done to you, dear? Tell me. He came to me. Loin de toute linéarité, le terme gothique, genre musical dont Bauhaus est l'un des premiers représentants, illustre parfaitement les plis et les replis de l'histoire. S'il est employé pour définir des groupes aux atmosphères lugubres dans le sillage de Joy Division, c'est aussi un mouvement littéraire du 19e, lui-même issu de la redécouverte en Angleterre de l'architecture gothique à la fin du 18e. D'abord utilisé de manière péjorative, le nom prend une tournure positive en 1982, au moment où les idées d'obscurité et d'impureté sont revendiquées par un nouvel underground. Apparaît alors un retour au glamour et à la starification dont David Bowie est la principale source d'inspiration. Comme une forme d'hommage mécanisé, Bauhaus reprendra d'ailleurs à l'identique le morceau Ziggy Stardust, ne parvenant finalement qu'à une pâle copie gesticulante et empruntée de l'original. En raccommodant des décennies distantes de près d'un siècle, le critique musical Simon Reynolds écrit que le gothique littéraire avait été ardemment antimoderniste. Il incarnait le retour du refoulé en réanimant les superstitions médiévales et les désirs primordiaux qu'avait banni la révolution industrielle, en voilant ces régions de l'âme soi-disant éclairées par les lumières. Nouvelle image d'un antimodernisme facétieux, la pochette du Bauhaus fait revivre le vampire et son incarnation des peurs d'une modernité, au-dessus d'un nom, d'une école, qui s'était elle-même mise au service de la production industrielle. À l'image du roman de Stoker publié seulement 2 ans après l'invention du cinéma, l'efficacité esthétique du fonctionnalisme moderne et l'imagerie populaire de son refoulé se retrouvent repliées l'une sur l'autre. Rappelant l'omniprésence des gramophones, machines à écrire ou autres scénographies dans le roman, le philosophe des techniques Friedrich Kittler écrit d'ailleurs que Dracula n'est pas le roman d'un vampire, mais un guide pratique de notre bureaucratisation. Libre à chacun de l'appeler aussi un roman d'épouvante. Les contes de Transylvanie ont beau fleurer le gothique, ils n'en pressentent pas moins tout le colonialisme du traitement mécanisé du discours. Avant les performances du groupe Bauhaus, deux visions de l'école allemande s'étaient affrontées après-guerre. Il en allait de son héritage artistique et politique.
Au début des années 50, le peintre danois Asger Jorn contacte l'artiste et designer suisse Max Biel, alors occupé à la fondation de la Hochschule für Gestaltung de Ulm en Allemagne. Son projet d'école affirmait un héritage direct. Ancien élève du Bauhaus, il perpétuait son aventure formelle. L'école d'Ulm en perpétuera donc l'aventure industrielle. Jorn, bien plus éloigné de son histoire, avait quant à lui sa propre idée du Bauhaus, en opposition quasi complète avec celle de Biel. Il voyait dans l'école un mouvement d'émancipation d'avant-garde, une communauté opposée aux valeurs bourgeoises, dédiée à l'expérimentation artistique et à de nouvelles formes d'activisme politique. Tandis que Biel travaillait à une école de design fonctionnaliste, financée en partie par les USA dans le contexte de la reconstruction d'après-guerre. Il veut faire une académie sans peinture, disait Jorn, sans recherche dans l'imagination, la fantaisie, les signes, les symboles. Tout ce qu'il veut, c'est l'instruction technique. Biel lui répond dans une lettre cinglante que par art, il n'entendait pas une quelconque forme d'expression personnelle, mais simplement l'art. À Ulm, il traiterait de questions de conception beaucoup plus extrêmes, nouvelles et généralement plus actuelles. L'école sera fondée en 1953 et fermera ses portes en 68. Jorn, lui, se tournera vers un groupe d'artistes italiens et fondera le mouvement international pour un Bauhaus imaginiste qui, en 1957, sera fondu dans l'international situationniste. Porter un regard sur des événements historiques, c'est les actualiser. Nous les observons dans le présent, nous ne les voyons plus tels qu'ils se sont produits. Le corollaire est que l'acte de voir possède ses propres contingences. L'œil ne voit que ce qu'il a appris à voir. Ainsi en est-il des appropriations du Bauhaus. Comment comprendre cette nouvelle résurrection du Bauhaus? Cette fois, il n'est plus question de lignée ou de débat artistique. L'appropriation du nom en émousse d'autant plus le sens et en réduit la complexité qu'elle s'éloigne historiquement. Au logo utilisé cette fois sans le concours de Bayer, mais dans la neutralité de la communication politique, est apposé non pas l'image d'un vampire qui délectriserait la vision de la modernité, mais un adjectif limitatif. Le Bauhaus était international, il est devenu européen. Au détriment de la géographie, la méthodologie obscurcit l'inscription territoriale tout en précisant le domaine d'action. L'école de Weimar, Dessau et Berlin est aujourd'hui un site internet, où le colonialisme du traitement mécanisé et administratif du discours de Hitler est pleinement à l'œuvre. Les déclarations de Gropius qui souhaitait créer une nouvelle corporation d'artisans sans les distinctions qui construisent une barrière arrogante entre l'artisan et l'artiste. La création d'une école où les ateliers de production autonomes étaient subordonnés à une collaboration active. Les enseignements soutenus par des pensées, des formes et des médiums dirigés vers une transformation sociale et politique. Tous sont évacués dans la création d'une plateforme numérique sur laquelle déposer des projets qui, peut-être, rencontreront l'approbation d'un comité d'experts et pourront ainsi être menés à terme. L'ensemble se place sous l'égide de trois mots-clés, Beautiful, Sustainable, Together, qui finissent d'assécher tout discours critique, politique et esthétique. Aussi, la possibilité eurocentrique de reconduire économiquement le rayonnement esthétique du Bauhaus néglige un autre centre. Le Bauhaus était d'abord une école où se concentrait l'idée de sédimentation intellectuelle et artistique. Ce qui persiste du Bauhaus et résiste à l'histoire, ce sont les images montrant l'émulation plastique et sociale née de la fréquentation quotidienne des étudiants et des enseignants, de la proximité des corps dans les ateliers et les logements. Prendre la distance pour acquise, c'est vouer à l'échec l'appropriation d'une expérience pédagogique concrète. En 1889, après la sortie de l'utopie socialiste Looking Backward d'Edward Bellamy, le poète, designer et homme politique William Morris, une des inspirations de Gropius lors de la création de l'école, publie un article dans le journal Commonwealth. Il en vient à identifier plusieurs dangers dans le projet industriel et urbain proposé par Bellamy. Le plus important selon lui est que de curieux et jeunes socialistes seront très probablement enclins à dire « Si c'est cela le socialisme, nous n'aiderons pas à son avènement, car il ne nous offre aucun espoir ». L'année suivante, il publie sa propre utopie radicale et désindustrialisée, News from Nowhere, dans laquelle l'art et la nature cohabitent parfaitement. On serait aujourd'hui tenté de reprendre les mots de Maurice. Loin de tout vampirisme, la continuation culturelle, artistique et politique du Bauhaus s'accompagne de son ancrage au sein d'une utopie pédagogique et artistique. Merci Camille pour ce film qui pose, en tout cas qui cadre à la fois la façon dont nous allons décrypter, c'est-à-dire une conversation autour de matériaux ou artistiques ou intellectuels ou d'expériences très pratiques, et puis avec Xavier de voir quelles sont les tensions qui sont posées, mais aussi un cadrage très direct sur les questions que peut poser ce référence
au Bauhaus, et ce, donc dans cette idée du New European Bauhaus. Alors, Camille, peut-être vous posez déjà un fil rouge de cette journée, mais peut-être vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte que vous soulevez dans votre film. Oui, peut-être revenir d'abord sur le contexte général de la production de ce film. C'est d'abord plutôt pensé pour être à la radio plutôt qu'un film, mais ça a été réalisé à un moment où on sortait de la pandémie, et au moment où je réfléchissais aussi beaucoup sortait une première étape de la pandémie, et au moment où je réfléchissais beaucoup à la question de l'enseignement, de comment j'enseignais, comment j'ai enseigné dans cette pandémie. Et ça s'intègre aussi dans le cadre d'une recherche sur le 19e au sein de questions liées à l'art et au design contemporain. Lorsque j'ai lu le projet du New Bauhaus européen, il y a plusieurs choses qui m'avaient frappé. Deux choses principales, c'est la première, c'est la distance, la question de la délégation et d'une forme de, ce que moi j'appellerais une forme de déresponsabilisation des choix esthétiques et critiques. Et la seconde, c'est l'appropriation du nom de l'école d'art, de design historique, pour un projet qui semblait aller un petit peu ailleurs que ce que le Bauhaus proposait, et je m'interrogeais donc sur cette déviation en fait dans l'appropriation. Et dans le petit film, en fait, il me semblait important de poser trois points. La première, c'était d'insister sur les lectures et reprises successives, les transformations historiques du Bauhaus, et donner en fait une sorte d'aperçu de la densité, ou en tout cas des questions, de la complexité des questions qui étaient posées, et qui parfois, en tout cas tels qu'ils sont posés dans le projet, sont évacués d'une certaine manière, ou simplifiés dans le projet européen. C'était aussi une manière de montrer, à travers la jonction Dracula et Bauhaus, au milieu du XXe siècle, que la modernité ne court pas dans une seule direction. C'est qu'elle ne va pas dans un sens unique, mais qu'elle se tend à montrer des choses parallèles et qui parfois se retrouvent et se séparent et se recroisent. Et parallèlement aussi, c'était de montrer comment le Bauhaus est souvent repris comme un corps mort qu'on tenterait régulièrement de ressusciter, et encore une nouvelle fois avec ce projet. De la même manière, il y avait cette idée, et ça c'est le dernier point, c'est de montrer qu'il y a une importance à penser les projets artistiques et culturels dans leur proximité, en tout cas dans la proximité des corps. Et l'école et les projets pédagogiques sont souvent la première étape de cette proximité. Le corollaire, c'est de chercher, en fait, pour moi, à résister à une forme de tentation, d'une méthodologie qui serait une méthodologie de la distance et qui s'est récemment installée et diffusée. Et le récit du Bauhaus, les récits d'expérience du Bauhaus montrent justement que si le Bauhaus a permis de produire un mouvement, de produire un certain nombre de réalisations qui sont maintenant extrêmement importantes pour la modernité occidentale, c'est aussi que elles sont nées dans cette proximité de l'école et de la pédagogie. C'était cet ensemble-là et qui naît en fait d'une réflexion qui est vraiment une réflexion sur la situation actuelle et de regarder le projet Bauhaus européen au regard de cette situation-là. Voilà. Merci beaucoup Camille, c'est absolument intéressant cette note sur la méthodologie de la distance. Xavier Troussard, dans le nouveau Bauhaus européen, comment peut-on retrouver cette idée en fait d'école ouverte qui était au cœur du Bauhaus historique, comme l'a très bien souligné Camille? Je pense d'abord pour répondre à un certain nombre de points qui sont présents dans à la fois dans le film et dans les propos de Camille. Je pense qu'il y a, si le projet européen fait référence au Bauhaus, c'est pas tant dans une référence précise à un modèle, mais probablement pour manifester le fait que la grande transformation de nos sociétés vers plus de durabilité environnementale et sociale demande de repenser le concept de design, et que la fonctionnalité ne suffit plus et qu'il faut prendre en compte
les limites de la planète et viser des eaux plus ambitieux. Et donc, je pense que c'était le sens de cette référence. Elle a fait l'objet de nombreux débats, et débats critiques sur le fait que c'était associé à européen et donc potentiellement eurocentrique. Elle a été aussi, je dirais, analysée dans sa perspective historique et à quel Bauhaus on se réfère. Je pense que pour nous, ce qui était important, c'était de souligner que les défis sont un défi de design et que donc il faut repenser l'héritage global du Bauhaus sur cette question. Maintenant, la dimension d'école dans la conversation qu'on a essayé d'initier au travers de cette initiative, elle apparaît à plein de niveaux parmi les éléments de contribution qu'on a collectés depuis le début de cette initiative. Le débat sur le rôle de l'éducation dans le Bauhaus est important, aussi bien sur des dimensions fondamentales, c'est-à-dire comment on peut repenser une éducation qui est centrée autour des valeurs, qui est centrée autour d'une nouvelle relation avec la nature et ce genre de transformation fondamentale, aussi bien dans la dimension de comment repenser l'éducation dans les domaines qui sont clés pour le nouveau Bauhaus, donc les domaines de l'art, de la créativité, du design, de l'architecture. Et là, il y a de nombreuses propositions qui sont menées, y compris sur l'idée qu'il faut rapprocher l'éducation du faire et que donc on doit apprendre en faisant. Et donc ça permet un dialogue entre l'approche théorique et l'approche pratique et une incarnation, y compris dans les territoires. Mais je pense que ce qui a fondamentalement changé, je pense, depuis le Bauhaus, c'est l'attitude par rapport au savoir. Ce qu'on comprend de ce qui nous est dit, c'est que pour réussir cette transformation, il faut faire vivre une communauté dans un espace qui est post-disciplinaire d'une certaine manière et où on fait circuler avec sans filtre, je dirais, hiérarchisé, du savoir scientifique, de l'expérience, de la vision, et que on le fait circuler depuis le niveau du concept et des avant-gardes jusqu'au niveau du terrain et de l'orchestration dans les territoires ou dans nos vies quotidiennes, des transformations concrètes. Je pense que donc le modèle de l'école devient peut-être un modèle plus de faire fonctionner des communautés qui sont unies dans des objectifs de transformation et où on fait fonctionner ces différents liens. Je pense que c'est un modèle qu'il va falloir tester et faire évoluer et qui repose beaucoup sur la capacité à donner les moyens à différents types d'acteurs de prendre l'initiative et donc de renforcer la capacité à prendre des initiatives à différents niveaux. Merci beaucoup Xavier Troussard. Justement, une parfaite transition. Voilà, vous avez donné beaucoup de mots-clés sur des choses. Je vous propose une petite capsule sur le thème du faire école. Un bref entretien avec Patrick Bouchain, donc, qui est architecte, urbaniste, scénographe, que nous avons réalisé au plus petit cirque du monde à Bagneux, un lieu auquel nous reviendrons tout à l'heure. On l'écoute. Donc, je suis rentré dans l'architecture en faisant des maquettes, en rangeant la documentation. J'adorais ranger les matériaux et tout. Et maintenant, je suis arrivé à l'architecture comme ça, je me suis dit, mais un jour, est-ce qu'il n'y aurait pas une école autre que l'école dans un lieu? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre école qu'une école avec des professeurs? C'est pas pour dire qu'elle n'existe pas, celle-là, mais il y a une autre école, une complémentaire de celle-ci. Et contrairement à ce que certains faisaient, j'étais un peu admiratif au début sur ce travail, de dire il y a une école dehors qui est une université populaire. Et j'ai très vite compris que c'était pas bien, parce que ces universités-là, elles mimaient l'université, ou elles mimaient l'école à laquelle les gens n'étaient pas allés. Et donc c'était une double peine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je n'étais pas allé à l'école, je ne suis pas allé à l'université, mais je vais dans des cours du soir, on va m'enseigner
comme on aurait dû m'enseigner. Mais bon, le cours du soir, quand vous avez travaillé toute la journée, vous êtes quand même moins frais. Quand vous avez vieilli, vous êtes moins aiguisé et tout. Et donc je m'étais dit, mais c'est pas bien. C'est en fait, non. Il faudrait faire une école foraine qui fait que les vieux, les jeunes, les inactifs, les machins et tout, à un moment donné, il se passe quelque chose dans l'espace public, et cette chose, on devrait la voir, et peut-être que quelqu'un devrait en parler, parce qu'il a une grande capacité. Alors, je me suis dit, mais en fait, bon, chaque chantier pourrait être une école. Donc, c'est sans professeur, sans enseigne, et sans lieu, on pourrait dire. Une école mobile. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des savoirs populaires, des savoirs éventuellement très techniques, faits par des métiers, qui étaient considérés comme mineurs. Donc, si on parlait d'un nouveau Bauhaus, en critiquant le précédent, parce que moi, j'avais un professeur qui disait, il n'y a pas pire école que le Bauhaus, parce que pour ouvrir le bâtiment, les fenêtres du bâtiment de Dessau, il n'y a qu'une seule poignée. Vous rendez compte que Walter Gropius a pensé qu'il fallait qu'une seule manivelle pour ouvrir tout le bâtiment. Et moi, ce professeur, qui est mon maître, Lucien Croix, l'a dit, rien que ça, l'idéologie du Bauhaus était fausse. C'était un modèle autoritaire, unique, et éventuellement faisant la table rase des us et coutumes. Alors c'est en même temps vrai et faux, que dans le même temps, il y avait un artisanat qui était rentré au Bauhaus, il y avait un art, on apprenait à dessiner, on apprenait à peindre, on apprenait à construire. Donc vous voyez, il y avait la rencontre quand même d'un artisanat et d'une volonté de modéliser cet artisanat. Il y a eu un échec avec cette façon de faire, qui a fait que voilà, la modernité a échoué complètement. Et donc là, on pourrait se poser la question, quel pourrait être le nouveau Bauhaus? Peut-être que le nouveau Bauhaus, il est tout sauf en Europe. Et il est peut-être justement en dehors de l'Europe. Et c'est peut-être la chose que l'on vit le plus dramatiquement, l'immigration et le nouveau Bauhaus, car l'immigration est celle qui nous ramènera les savoirs archaïques encore présents dans les gens, et on le voit bien, tous nos ouvriers à nous sont des gens qui viennent de l'immigration, et donc ils ont encore en eux un savoir acquis, qui est acquis par mimétisme, pas toujours par... ils n'ont pas appris ce métier, et ils sont constructeurs chez nous. Et peut-être que le grand Bauhaus, c'est un Bauhaus vernaculaire, on pourrait dire, qui ramènerait cette richesse humaine qu'on est en train de détruire et qui manquera, au même titre que les ressources fossiles, nous manquerons, on manquera d'hommes. On manquera d'hommes et de femmes, on manquera de savoir, parce qu'on va tellement mépriser ces savoirs qui sont encore en place dans plus de la moitié du monde, on les méprise tellement que... Et on est tellement le modèle qui devient un anti-modèle, peut-être que notre école devrait être une école en dehors de l'Europe, sur les territoires justement où cette frugalité, cette pauvreté généreuse, cette humanité présente, ça va être compte, on devrait avoir une école sur le territoire. En fait, c'est une école mondiale qui irait voir le petit, et non pas une école mondiale qui essaye de ramener un modèle unique. À la fin de ma vie, je ne ferai que des chantiers qui seront des lieux de réflexion contradictoires. Hein, parce qu'on est dans une période contradictoire. Et ce qu'il nous faut, c'est démêler ce qui est contradictoire pour comprendre le monde dans lequel on rentre. Il n'y a que ça à apprendre. Tout est là, comme dit Bruno Latour. Il suffit de le recomposer. Mais pour le recomposer, il faut avoir compris l'état de la situation dans laquelle on est. Alors, Camille Pajard, j'aimerais vous redonner la parole rapidement. Donc, on vient d'entendre Patrick Bouchand sur pas mal de sujets. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue aussi d'historien de l'art et d'enseignant. Voilà, il a parlé de ces tentatives du Bauhaus, parfois de faire table rase du passé avec voilà, une friction hein, là, puisqu'évidemment, c'était pas que ça. Ce rapport à la modernité, voilà, qui était plus que compliqué. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner votre perspective sur ces questions-là? Oui, enfin, juste rappeler déjà que je suis pas un spécialiste du Bauhaus, donc ce que je veux dire, ça, c'est un peu mal. Mais que non, mais ce que dit Patrick Bouchain est très juste. Hein, l'école du Bauhaus est une école très très complexe parce que dedans on a des gens passionnants comme Paul Klee ou Oscar Schlemmer qui vont enseigner, mais on a aussi d'autres personnalités qui sont plus problématiques et des projets qui sont plus complexes. Et souvent, on se focalise sur la question du design et de l'architecture pour oublier qu'il y a un champ artistique et qu'il y a un champ artisanal aussi. On
Donc, c'est l'atelier textile, l'atelier céramique, enfin, bon, il y a plein de choses comme ça. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que quand on regarde le XXe siècle aussi, c'est que cette idée de l'architecture internationale telle qu'elle a été posée par le Bauhaus, par Gropius, par Meyer et d'autres, ou Mies van der Rohe, ou des choses comme ça, c'est des choses qui ont été remises en cause dès les années 50-60, et en particulier par des gens comme Giancarlo De Carlo, qui va à un moment s'intéresser à l'architecture vernaculaire et qui, du coup, ont des ancrages locaux qui s'inscrivent sur, comme le propose Bouchain aussi, qui sont sur des savoir-faire ou des formes esthétiques qui émergent de territoires particuliers. Donc, il y a aussi cette idée de comment est-ce qu'on peut proposer une contre-architecture, une architecture qui s'inscrit dans un endroit local, qui n'est pas une architecture qui va s'inscrire, qui est prise à un endroit, conçue à un endroit et qui va s'inscrire à un autre. Voilà, ça, c'est une proposition. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'on a besoin d'ouvrir les écoles et les écoles à des pédagogies autres, surtout à des formes de savoir différents. Les écoles françaises, en particulier, ou même les écoles européennes, sont trop refermées, assez peu ouvertes sur les questions que posent les questions de la migration. Ça, c'est une vraie question, et c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger concrètement. Xavier, peut-être, alors on est maître du temps, alors il faut qu'on essaie de bien contrôler notre temps, mais peut-être une réaction à cette première séquence qui est d'essayer de cadrer un peu de mettre une perspective historique et de dégager les grandes questions ou les grandes frictions, pour reprendre le mot je crois que nous utiliserons beaucoup autour de cette idée de Bauhaus, New Bauhaus européen. Bon, je pense que du point de vue de l'approche école-éducation, il y a beaucoup de points très communs avec ce que Patrick Bouchain a pu décrire, qui font partie des choses qu'on collecte. Donc, cette idée qu'effectivement, il y a d'autres manières d'apprendre et qu'on peut connecter la manière d'apprendre à la manière de transformer sur le terrain et rendre ces deux choses, d'une certaine manière, un même acte. Sur l'autre sens que vous donnez à faire école, et qui est la question de savoir si peut-être il y a l'ambition, comme a pu l'avoir le nouveau Bauhaus, le Bauhaus originel, d'avoir un style, une esthétique qui peut essaimer. Je pense que là, la problématique est tout à fait différente aujourd'hui et qu'au contraire, on est sur une idée de diversité. On est sur une idée de connecter avec le sens profond des territoires dans leur tradition, leur savoir-faire, leur artisanat, leur histoire propre. Et donc, on est certainement pas dans une dynamique de création d'un prêt-à-porter esthétique, mais beaucoup plus d'intégrer à la réflexion sur la transformation cette dimension culturelle, esthétique, qui parfois fait défaut. Camille Pajard, nous vous remercions de votre participation ce matin. Oui, et nous allons, dans notre deuxième séquence, plutôt sur un autre angle, on va voir peut-être Bauhaus et questions alimentaires. C'est peut-être une chose intéressante, peut-être aussi une pratique collective autour de l'alimentaire. Alors, c'est notre collègue Fabien Trott qui a préparé ou co-préparé cette séquence avec Marie Preston. Bonjour et bienvenue, Marie. Bonjour. Alors, Marie, vous êtes artiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8. Vous êtes membre de l'équipe TIMED, une équipe de recherche dédiée à l'écosophie. Et là, on va renvoyer à Guattari quand même. La critique des médias et plus largement la dimension sociale de l'art. Son rapport au commun et à la sphère publique. Depuis 2003, votre travail artistique se constitue comme une recherche visant à créer des œuvres avec des personnes a priori non artistes. Votre démarche tente d'être une exploration artistique et ethnographique de situations variées où le processus de création implique un tâtonnement méthodique
pour chaque fois vous positionner à la bonne distance afin de co-construire l'œuvre avec les personnes concernées. Merci Marie d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons proposé de partager la construction et l'animation de la séquence. Donc on va essayer de voir comment ça marche et se nourrir en partant de votre expérience Le Pain Commun. Marie, pour commencer, nous vous laissons introduire en quelques mots cette expérience artistique. Merci. Alors, Le Pain Commun, c'est une expérience de co-création, c'est-à-dire de création collective qui a débuté par l'invitation d'un centre d'art qui s'appelle Synesthésie, qui se trouve à Saint-Denis, en banlieue parisienne, Synesthésie maintenant. Et c'est le nom, Le Pain Commun, que j'ai donné donc à ce groupe, à ces ateliers, qui sont des ateliers de partage de savoir et de savoir-faire autour de la boulange, et de manière plus générale, d'enquête sur l'écologie du pain, c'est-à-dire du grain, jusqu'à la distribution du pain. Il réunit donc depuis 2018 à peu près, jusqu'à maintenant, avec une interruption pendant cette période de pandémie, une petite dizaine de personnes, des femmes. Donc les images que vous voyez là pendant que je parle sont des images qui sont extraites d'un film qui s'appelle « Des pieds, des mains, des ventres fours » et qui a été réalisé par Arciné André en 2019, qui nous a accompagnés pendant un atelier, un workshop, que nous avons fait chez un céramiste, Marc-Ange Albert, pour construire un four à pain en terre crue. Donc pendant toutes ces années, enfin ces quelques années où nous avons travaillé ensemble, boulanger ensemble, on a fait du pain, on a partagé des recettes. Et puis nous sommes allés à la rencontre de boulangers, boulangères, des agriculteurs aussi, et aussi des paysans et paysannes boulangères, donc reliant activité agricole et boulangerie. Tout ça, ces personnes que nous avons rencontrées sont des personnes qui sont engagées dans une réflexion en lien avec leur pratique d'un point de vue écologique aussi bien que social. Voilà, on a fait d'autres choses également pour mener cette enquête autour du pain. On a vu, nous sommes allés voir les pains figuratifs conservés au MUCEM à Marseille, pains figuratifs et rituels. On a fait des moules à pain, on a regardé des films sur les blés paysans, dont il sera question un petit peu plus tard. Voilà, là vous avez les noms des participantes qui s'affichent. Et puis, donc ce travail s'inscrit dans l'écosophie, comme il a été dit, c'est-à-dire une écologie qui mêle écologie environnementale, sociale et subjective. Et nous avons mangé les pains que nous faisions, je pense que c'était important de le dire. Et on a aussi fait des lectures en pétrissant, donc c'est la petite séquence vidéo que je souhaitais vous montrer maintenant. La conception organique qui a prévalu depuis les temps anciens jusqu'à la Renaissance, sur laquelle le principe féminin joue un rôle positif significatif, fut graduellement sapée et remplacée par un état d'esprit technologique qui se servait des différents principes féminins les exploitant. L'image de la Terre comme organisme vivant et mère nourricière a tenu lieu de contraintes culturelles limitant l'action des êtres vivants. À la Renaissance, l'image de la Terre nourricière charguait toujours de subtiles formes de contrôle et de contraintes. Ainsi, opposer une culture politique de la vie à une culture politique de la mort est une exigence de notre temps. Donc les pains qui ont été réalisés ce jour-là étaient faits de farine, d'eau, de sel, mais aussi d'écoféminisme, puisque l'idée, c'était, en lisant, le fait de lire ces textes en pétrissant, chargeait le pain de cette pensée écoféministe. Donc un dernier mot sur cette pratique du pain commun avant de passer à la suite, c'est que cette pratique-là est une manière aussi de penser les conditions d'émergence et de production du savoir. Donc par rapport à cette question du nouveau Bauhaus, c'est peut-être une piste, mais également de relations et de formes artistiques. Merci beaucoup Marie pour ces premières séquences. Vous avez souhaité donc nous proposer tout ce parcours autour de la question de se nourrir, donc avec un point de vue de co-création, de partage des savoirs et des savoir-faire. Nous allons découvrir la boulange et avec des blés paysans. Mais nous allons tout d'abord accueillir Delphine Sicard. Delphine Sicard, bonjour. Bonjour. Delphine Sicard, vous êtes microbiologiste. Vous avez coordonné un projet de l'Agence nationale de la recherche sur les levains naturels en recherche participative avec des paysans et paysannes boulangères. Et Hélène, que nous allons écouter, participe à cette recherche. Marie. Oui, bonjour Delphine.
Bonjour. Je vous propose donc d'écouter maintenant Hélène, qui est meunière et boulangère à la ferme d'Orvilliers dans l'Eure-et-Loire. Mais avant ça, deux choses. D'abord, suite à l'entretien que j'ai fait avec Hélène, elle m'a demandé de dire ce que c'était que le levain, parce que certaines personnes, évidemment, ne sont pas familières du levain. Donc le levain, c'est simplement de l'eau et de la farine mélangées qui ont fermenté et qui permettent ensuite de faire lever le pain sans ajout de levure boulangère, comme on peut les utiliser parfois quand on fait les pains à la maison et comme certains boulangers l'utilisent. Là, il s'agit vraiment de levain naturel. Et donc, Hélène, avec ses coopérateurs, travaille avec des blés paysans. Et donc, j'aimerais demander à Delphine, juste en deux mots, ce que c'était qu'un blé paysan, puisque ce n'était pas expliqué dans la vidéo d'Hélène. Oui, alors un blé paysan, c'est un blé finalement qui est maintenu, qui est sélectionné par les paysans de génération en génération. Donc, à la différence d'un blé de semencier qui va vendre chaque année son blé. Donc, c'est souvent des variétés locales qui ont toute une histoire sur un territoire avec un nom souvent associé au territoire. C'est souvent aussi des populations en mélange, donc des mélanges de génotypes et donc des populations qui permettent de maintenir la diversité végétale au champ. Merci. Peut-être qu'on peut maintenant écouter Hélène. Donc à la ferme d'Orvilliers, nous sommes trois associés avec trois répartitions de tâches. Adrien est plus au champ, Benjamin plus à la mainerie et moi je suis au fournil. Et tous les trois, on commercialise et voilà. Après, depuis 2 ans, on a une petite équipe un peu plus étoffée avec des salariés qui sont arrivés. En fait, toute l'entreprise nous a été construite sur le fait qu'on voulait aussi garder un rythme de vie pour nous qui était... comme ne pas travailler le week-end, ne pas travailler la nuit. Voilà, c'était le fait qu'on soit capable de tenir sur la durée, que nos familles n'allaient pas en souffrir. Donc, on utilise le froid dans le fournil, on a une chambre froide, on a des frigos. Et donc, on va faire le levain la veille. Et on a un levain par type de pain. Donc, les pains de blé ont leur levain, les pains d'engrain ont leur levain d'engrain, le grand épeautre pareil pour le seigle, enfin voilà. Donc, on a un levain par type de céréales plutôt, et on le fait la veille, on le laisse fermenter donc à température ambiante, on le laisse reposer ensuite au frigo, ça le calme un petit peu, et le lendemain, on panifie toujours avec des levains qui sortent du frigo, donc des levains froids. Donc, ça, on a une autre technique, on coule un peu plus chaud au niveau dans le pétrin. Et on reproduit ça tous les jours. C'est tout, on construit beaucoup notre production en fonction de notre bien-être et du bien-être de l'équipe. Voilà. Donc depuis la création de la ferme en 2012, donc en 2013, il y a eu les premiers essais au champ de croisement notamment, ou encore de sélection, c'est-à-dire que on est allé chercher des blés dans les frigos de l'INRA ou encore auprès d'autres paysans, qu'on a semé en micro-parcelles dans nos champs. On a 50 hectares, mais donc on a une petite partie qui est réservée à la sélection. Les micro-parcelles, et comme ça, on voit d'année en année les variétés qui se plaisent bien sur notre terroir, celles qui ne tombent pas malades, qui vont bien, celles qui nous plaisent ensuite en meunerie, qui s'écrasent facilement, et ensuite celles qui nous plaisent au pétrin, une fois qu'on les a écrasées. Certaines nous plaisent vraiment bien, on peut choisir de les multiplier, donc de faire des champs de plus en plus gros pour qu'on puisse les mettre dans notre farine ou encore certains nous plaisent vraiment bien et dans ce cas-là on les a croisés, on a pris deux blés différents et on les a croisés, donc ça se fait vraiment de manière manuelle avec des petits ciseaux, des petits sachets en plastique, ça se fait actuellement à l'épiaison. Donc l'intérêt c'est de s'adapter vraiment au terroir, de multiplier la diversité de nos blés, c'est d'être pérenne, c'est de se dire que dans 10 ans, 20 ans, ces blés-là seront très adaptés et auront su pousser avec les aléas climatiques. Et puis notre objectif, c'est aussi de faire un pain pour tous, donc on veut allier en fait le goût, la qualité du pain, son alvéolage comme on l'aime, voilà, c'est nos choix techniques, et en même temps un certain rendement pour avoir du blé toute l'année, ne pas se dire à partir d'avril, eh ben, on n'a plus de blé, voilà.
et le fait qu'on ait un pain accessible. Accessible pour tous, c'est-à-dire que notre pain, il est à 5 euros le kilo, avec des variétés qu'on trouve bonnes, digestes, autant que possible, hein, même si bien sûr ça reste du blé. Voilà, donc c'est de pouvoir cheminer, en fait, comme ça, au fur et à mesure des sélections. Moi, je ne viens pas du milieu agricole. Je ne viens même pas de la boulangerie, en fait. À la base, j'étais infirmière, donc je suis aussi une néo-boulangère. Enfin, ça fait 10 ans, donc je ne sais pas si on peut dire encore néo, mais... et pour moi, je suis arrivée à la boulangerie parce que j'étais consommatrice en AMAP de légumes et pas du tout de pain. Et que j'ai appris à faire mon pain au levain. Et ça m'a intéressée vraiment d'avoir un lien avec la nature et avec l'agriculture. Et c'est clair que c'est aussi le milieu de l'agriculture qui change parce que je me suis associée avec des gars qui sont fils de paysans alors que moi je ne viens pas de l'agriculture et je suis une femme en plus. Et ça c'était novateur. Voilà, qu'une femme boulangère reconvertie puisse devenir paysanne, c'était vraiment novateur et c'est vraiment... Je pense que ça, c'est accessible. C'est quelque chose qui va être possible, je pense, de plus en plus dans l'avenir. Déjà parce qu'il y a des fermes à reprendre, parce qu'il y a de la surface à travailler, et que c'est une manière de boulanger qui reprend son sens. On le voit bien, c'est une vraie attente, nous, de la population autour de nous. Les gens veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette maintenant. Et nous, on est fiers de pouvoir leur expliquer, parce qu'on maîtrise... Voilà, j'ai jamais fait de pain avec un sac qui sortait de nulle part et où je ne savais pas ce qu'il y avait dedans et d'où ça venait. Donc ça, c'est important de maîtriser ça et en même temps de pouvoir le faire évoluer. Voilà. Merci Marie. Alors on poursuit cette exploration de se nourrir et vous nous proposez maintenant un temps d'échange avec Delphine Sicard que vous avez intitulé « On mange à la table du levain ». Oui, quand avec le groupe Pain Commun, autour des ateliers Pain Commun, on a découvert le projet Bakery qu'a coordonné Delphine Sicard. Et par la suite, avec deux des personnes qui participent aux ateliers, Lingigo et Gradiela Semercian, on a vraiment pensé le levain comme un personnage, le personnage principal hein, de cette écologie du pain. Voilà, je voulais demander à poser à Delphine quelques questions pour nous expliquer ce projet dans un premier temps, cette recherche participative en biologie. Et étant donné que mon activité artistique est liée autour de la co-création, il y avait des liens indéniables avec la question de la recherche participative. Donc Delphine, est-ce que tu peux nous dire deux mots pour commencer sur cette recherche participative? Oui, alors voilà, il y a plein de façons hein, de faire la recherche participative, mais le principe finalement, c'est le partage. C'est le partage de connaissances. Tous les savoirs sont au même niveau, qu'ils soient scientifiques, empiriques, quels que soient les savoirs. L'idée là, c'est de partager. Donc c'est une recherche qui se fait finalement à la fois avec des scientifiques, donc en biologie, ça va être avec des biologistes, mais aussi des sociologues, des mathématiciens, et puis des acteurs de la société civile. Donc, dans notre cas, c'était donc des boulangers, des paysans boulangers, etc. Donc, on va dire que la première étape d'une recherche participative, c'est d'abord l'instauration de la confiance, d'un langage commun. Alors, le langage commun, je parle des mots, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot quand on se parle ensemble? Mais c'est aussi le langage des corps, finalement. Comment on va se comprendre en faisant du pain ensemble, en allant au laboratoire ensemble, à travers tous nos sens. Donc, pour un biologiste, finalement, ça permet aussi de revenir à l'observation du vivant dans son entité, donc là, en l'occurrence, du levain comme organisme vivant. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette citation sur l'éducation populaire qui dit finalement, donc c'est une citation de Paolo Freire qui dit « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, mais les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde ». Donc c'est vraiment une autre façon de faire de la recherche qui conçoit le partage comme la force finalement de l'avancée de la connaissance.
Ouais, c'est formidable, c'est très beau. J'aime beaucoup entendre Paulo Freire en plus. Est-ce que les conclusions de, est-ce que tu peux nous parler des conclusions de cette recherche, de cette recherche participative, et à partir de, d'une expression qu'on a trouvée pertinente avec Gradias Emerson et Lingigo, qui était celle du territoire du levain. Est-ce que déjà c'est une est-ce que ça te parle, est-ce que ça fait sens pour toi vis-à-vis des conclusions que, enfin, de ce que vous avez recherché finalement sur les spécificités des levains que vous avez étudiés? Oui, complètement. En fait, donc le levain, c'est un mélange, comme tu l'as dit, hein, de farine, d'eau, qui est habité par des bactéries et des levures. Dans notre étude, finalement, on a montré que les pratiques boulangères se divisaient en deux grands groupes, les pratiques paysannes et les pratiques artisanales, et que selon les pratiques des boulangers, on ne trouvait pas les mêmes espèces de levures dans les levains. Et donc, ces espèces de levures, elles ne dépendent pas des variétés de blé, elles ne dépendent pas de la farine, elles dépendent vraiment du fournil du boulanger. Et donc, c'est en ce sens qu'on peut parler vraiment d'un terroir boulanger. Et il y a d'autres collègues qui ont montré que finalement, on avait des levures sur les mains des boulangers, sur les ustensiles, etc. Donc, le fournil, c'est le territoire du levain. Donc oui, on peut vraiment parler d'un territoire du levain, et c'est aussi ce qui fait la typicité d'un pain, au niveau de son goût, de ses qualités nutritionnelles, etc. Donc, on peut avoir un effet, effectivement, terroir du pain. Et le fait de... d'étudier le levain, est-ce que ça permet aussi une forme de décentrement anthropocentré et considérer le levain comme un organisme vivant, mais au même titre je m'amusais à penser que peut-être cette recherche avait à voir avec le comportement animal et les études éthologiques. Est-ce que c'est aller trop loin de penser comme non, ça non, pour, non, en pour fait, la minute qui nous reste? Oui, en fait, ça a un peu tout son sens. Dans la mesure où finalement le levain, c'est un peu comme c'est domestiqué, mais on pourrait vraiment rapprocher ça à un animal domestique, hein, c'est-à-dire que les boulangers le nourrissent régulièrement pour éviter qu'il meure, l'entretiennent, ont un affect avec le levain, leur donnent un petit nom, l'emmènent en voyage. J'ai des boulangers qui m'ont dit qu'il avait marié avec d'autres boulangers. Enfin, donc il y a effectivement le levain peut être considéré comme un organisme vivant. Plein de bactéries et de levures, au même titre que finalement l'homme, n'importe quel animal est composé de cellules animales, mais aussi d'un microbiote, bactéries, levures, etc. Donc je trouve que c'est assez amusant de voir ça comme ça, et ça a vraiment tout son sens. Un levain a son propre comportement, et probablement par rapport à l'aspect anthropomorphé, centré dont tu parlais, on peut se demander finalement si c'est pas plutôt une coévolution entre le levain et le boulanger auquel on a affaire, plutôt que vraiment une domestication unidirectionnelle de l'homme sur son levain. C'est tout à fait possible que finalement le levain aussi finalement drive un peu la pratique boulangère, parce qu'il va, le boulanger va faire en fonction de son levain aussi. Donc oui, c'est une belle image. Merci, David. Sicard, on continuerait volontiers la conversation longuement, mais c'est vrai que l'on voit là une recomposition de la construction des savoirs, du partage des savoirs, et même peut-être comment il redéfinit en toile de fond un rapport au vivant, un ensemble de choses. Mais je voulais voir Marie, donc là on est dans le monde, on va dire, d'une nouvelle ruralité, mais en ville. Comment faire pour se nourrir, puisque là on a effectivement besoin d'une certaine, peut-être une échelle de pensée, et la scalabilité, j'y arrive, est toujours une question où là où l'on pêche. Donc on va regarder peut-être avec vous les questions de coopératives, comment peut-être des manières coopératives peuvent permettre d'apporter des réponses urbaines. Oui, c'est ça. En fait, le lien, pour expliciter un tout petit peu le lien qui se fait là entre ce qu'on vient de voir, pain commun, recherche participative, levain et coopérative alimentaire, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la question de la coopération entre humains, et tel que Delphine Sicard, d'ailleurs, que je salue, à bientôt Delphine, aussi entre humains et non-humains. Donc voilà, cette question de la coopération qui fait le lien.
Donc les coopératives alimentaires, elles ont été inventées au milieu du 19e siècle par des ouvriers qui tentaient de lutter contre la paupérisation et qui se réappropriaient ainsi leur alimentation, enfin leur approvisionnement alimentaire. Et donc, deux mots sur le fonctionnement, puisque ce fonctionnement était démocratique. Il était également lié à l'adhésion volontaire, à la participation équitable, et ils prenaient l'autonomie et pensaient que leur action contribuait à une forme d'éducation et de formation de manière plus générale. Donc pour parler de cette question, j'ai souhaité m'entretenir avec Julien Honos, qui est un membre de la coopérative alimentaire de Pantin, donc en banlieue parisienne, coopérative à laquelle j'appartiens. Donc nous pouvons écouter Julien. Elle s'est créée en 2017 à l'initiative d'habitants de Pantin qui voulaient réfléchir à comment s'alimenter en ville, comment gérer son alimentation sans forcément passer par les circuits classiques. La plupart des gens passent par la grande distribution classique, nous les premiers, mais l'idée c'est d'essayer de sortir de ça et d'essayer de s'approvisionner autrement. Et puis de réfléchir au fait de manger, parce que manger, c'est pas juste le fait de s'alimenter. On en a besoin pour vivre, bien évidemment, mais il y a un acte politique derrière qui est pour nous, en tout cas pour les gens qui sont dans la COP, qui est très très important. Donc oui, l'idée c'était ça, et puis après sont venues d'autres problématiques, la problématique du bio. Il y a eu des débats là-dessus, on a tranché collectivement sur l'idée de faire que du bio, parce que ça nous c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et après aussi des problématiques sociales sur les conditions de travail des personnes qui font ces produits, les conditions de salaire, ce genre de choses. Enfin, quand on a décidé de trouver un local à nous, de réfléchir à comment on pouvait s'organiser, les énergies se sont mis en route et chacun a apporté sa pierre et on s'est rendu compte que on n'avait pas tous des compétences identiques, ce qui est normal, qu'on était tous différents et qu'avec nos expériences, nos passés, nos formations, nos vies en général, on s'est complété et finalement on est arrivé à faire quelque chose tous ensemble. Qui a de la gueule aujourd'hui et qui fonctionne. Voilà. Et clairement, on a bien sûr qu'on discute, on débat, on n'a pas les mêmes idées, mais on est arrivé tous ensemble à faire quelque chose collectivement. Et c'est quand même une très très chouette expérience de se rendre compte de ça, que clairement. Si on est capable de faire 2-3 consensus et de discuter calmement, on peut arriver à faire des choses collectivement sans forcément avoir les mêmes idées surtout, sans forcément se connaître bien. Enfin, c'est assez chouette de voir ça, que, de mettre toutes nos compétences, nos idées, nos formations, tous ensemble, ça marche. Il y a un mouvement, de toute façon, en France, autour des coopératives alimentaires, un mouvement qui prend de l'ampleur. Alors, bien sûr, on est loin de la grande distribution et du poids de la grande distribution, mais il y a quand même un mouvement partout en France. C'est pas que des coopératives en ville, d'ailleurs. Il y a aussi pas mal de coopératives qui se créent à la campagne. Ou dans des territoires un peu plus, un peu moins denses. Et il y a un mouvement vers ça. Nous, depuis peu, on est associés à la Fédération des coopératives. On a rencontré plusieurs coopératives, dont la Dionicop, qui est venue de Saint-Denis, qui est venue chez nous. On a discuté. C'est bien de se rencontrer et de voir que il y a d'autres endroits, que ça prend, qu'on n'est pas tout seul, parce que parfois c'est quand même un peu. Ça prend beaucoup de temps, ça on fait ça de manière bénévole parce qu'on a envie et parce qu'on aime faire ça, mais malgré tout ça, des fois c'est un peu pesant. Et de voir qu'il y a d'autres gens qui le font, que ça marche, parce qu'à Saint-Denis, c'est quand même, on peut dire, une énorme coopérative par rapport à la nôtre.
voilà, ça marche, ça prend, il y a beaucoup de gens, ils arrivent à diversifier, et ça, c'est ça que je trouve chouette, les publics. Voilà, pour l'instant, nous, on n'est pas encore là-dedans, mais ils arrivent à toucher d'autres gens que des gens qui sont forcément... qui sont sensibilisés à ces problématiques-là, ils arrivent à toucher d'autres gens. Et ça, c'est quelque chose qui est chouette, et que, on, voilà, ici, on aimerait le faire aussi, mais c'est pas forcément évident. Mais voilà, ouais, non, c'est des... il y a un mouvement, voilà. Alors Marie, pour clore ce parcours très riche, très intéressant, nous allons maintenant aller voir du côté du lycée expérimental de Saint-Nazaire et sa cantine autogérée. C'est une recherche que vous avez menée autour des pédagogies alternatives et coopératives. Oui, oui, oui. Alors le lycée expérimental de Saint-Nazaire, il a été fondé dans les années 80 et les personnes qu'on va entendre là sont André Daniel, un des deux fondateurs avec Gabriel Cohn-Bendit, et Maud Mandard et Pierre et Paul Lemel, qui était enseignant au lycée expérimental quand j'y étais il y a quelques années. Et voilà, et les images qu'on va voir, oui, c'est important de le dire, les images qu'on va voir sont des images d'une de dessins d'enfants, d'une expérience qui a eu lieu à l'école primaire Vitruve, qui est une école aussi qui fonctionne sur un modèle Freinet qu'ils ont inventé, en fait, de toutes pièces, dans les années 75-76, qui est un restaurant qui a été fondé par les enfants pour les habitants du quartier. Et pour le lycée expérimental de Saint-Nazaire, voilà, c'est un lycée qui fonctionne en autogestion et surtout en partage du savoir et du pouvoir, donc ce qui diffère évidemment de ce qu'on a pu entendre sur le Bauhaus dans d'autres séquences précédentes. Donc voilà, je vous propose d'écouter ce court montage sonore. Alors, prenons un autre exemple, si vous voulez. Hein. C'est la création... Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, la cantine, on appelait ça. Le fait de se faire à manger. Quand on était à Bonnance, ben on s'arrêtait à midi et on partait à 2 heures. On était parti sur les rythmes scolaires habituels. Et un jour, il y a une espèce de grand escogriffe qui était élève, qui est arrivé, il avait préparé des sandwichs et il les vendait aux autres. Alors à ce moment-là, il y a un autre plus grand que lui. Hmm qui s'appelait Gilles, que j'aime beaucoup, qui vient me voir encore, hein, et qui a dit, on va créer une cuisine. Et c'est né d'initiative élève. Oui, moi, j'ai fait ma première gestion cuisine cette année. Et c'est un vrai challenge, en fait, de commencer cette journée. À la fin, on se retrouve avec les jeunes, on va décider ensemble de ce qu'on va faire, et on se dit, bah, il reste 3 heures, il faut que tout soit prêt pour midi. Et c'est un temps qui déplace vraiment notre rôle. Parce qu'on définit ensemble aussi de l'organisation de ce temps-là. Oui, on répond à deux axes, en fait, une action pédagogique et puis un service qu'on rend, sachant que beaucoup de jeunes n'ont pas beaucoup d'argent non plus. On fait des repas très, 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 très peu chers, en fait, hein, 2,50 €. Et voilà, c'est effectivement le challenge qu'on se donne tous les matins et qui se répète tous les matins. C'est jamais la même chose. C'est quelquefois pas les mêmes élèves non plus. Et il faut apprendre, il faut répéter des gestes avec les élèves qui ne connaissent pour certains pas grand-chose, hein, qui font que des pâtes le soir en arrivant chez eux. Donc voilà, on essaie de faire, si possible, un équilibre alimentaire aussi. Hein, quand on va faire les courses, on choisit le ce qu'on a. On va sur le marché, on choisit nos produits. Donc il y a toute une approche aussi sur voilà, l'extérieur, comment... Et là, ça, c'est assez riche, en fait, d'échanger aussi avec eux sur voilà, les courses, le prix des choses ou la qualité d'un produit. Et, Donc, un complet végète. Un complet végète. 1, 2... Xavier, un des enjeux des mutations que nous avons à faire, ce n'est pas que... les questions climatiques, c'est aussi ceux de notre biodiversité. Biodiversité, on le voit là, biodiversité de l'alimentaire, en tout cas,
sur quelque chose qui a à voir avec notre nos bactéries, nos... c'est très singulier de relire à l'aune de cette année notre rapport au microscopique, eh oui. Mais aussi à faire ensemble. Je crois que le New Bauhaus européen, il y a un mot important, c'est together, mm-hmm. ensemble, donc de, aussi de forme collaborative. Alors, comment cela s'incarne ou qu'est-ce que vous voyez remonter déjà des premières réflexions autour du Bauhaus? Peut-être autour du d'abord merci beaucoup pour cette séquence très intéressante, y compris dans son approche qui est d'explorer une question au travers d'exemples très concrets, et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans notre démarche pour essayer de co-construire le concept du Bauhaus, c'est de partir non pas des opinions mais des exemples, des pratiques, des visions, des aspirations. Et si je prends le mot ensemble, pour nous, il se réfère peut-être à trois dimensions qui sont différentes et complémentaires. La première, c'est que le nouveau Bauhaus européen doit être un instrument de renforcement de la cohésion sociale. Donc, ça suppose une attention particulière à la fois aux personnes qui sont les plus vulnérables dans notre société pour des raisons sociales ou pour des raisons de handicap, d'âge. Et donc, il faut créer des solutions qui soit abordable pour tous et qui inclut l'ensemble de la population. Et il faut probablement porter une attention particulière aussi aux territoires, aux quartiers qui ont des difficultés particulières. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, et je pense que Delphine a parlé de est-ce qu'on doit dépasser l'anthropomorphisme, c'est la question du ensemble avec la nature. Et donc là, c'est quelque chose qui vient très fortement dans la conversation sur le nouveau Bauhaus, c'est l'idée de dépasser l'anthropocentrisme d'envisager une nouvelle relation avec la nature où on est conscient d'être un élément de la nature, mais pas forcément son centre. Et ça, c'est important aussi pour l'éducation et pour le changement de perspective du nouveau Bauhaus européen. La troisième dimension, c'est effectivement comment travailler ensemble à la transformation. Et là, clairement, il y a un certain nombre de choses qui émergent de ce que les gens partagent avec nous. La première chose, c'est que la transformation, elle s'incarne dans des petits territoires. Donc, on parle du quartier, on parle du village et on parle de projets concrets. La deuxième chose, c'est que la transformation souhaitée par le nouveau Bauhaus européen, qui doit être à la fois plus durable, plus inclusive et plus belle, ou en tous les cas culturellement plus sensée, eh bien, elle suppose des projets un peu compliqués. Donc, les processus de co-création la catalysent par l'art ou la recherche sont des éléments qui viennent très souvent dans les projets qui viennent. Donc, il faut s'engager avec la complexité et donc avoir effectivement cette approche ouverte sur la multiplicité des savoirs qui vont nous aider à co-construire une transformation sans les hiérarchiser et en créant des espaces de confiance où on peut impliquer à la fois les citoyens qui sont intéressés à la transformation de leur cadre de vie ou de leur mode de vie, mais aussi ceux qui peuvent apporter des compétences, des expériences qui vont aider à co-construire. Donc, on nous dit en gros des projets qui sont relativement petits en termes d'échelle et relativement complexes en termes d'apport et très fortement la question que Pascal mentionnait, qui est la question de l'échelle. Et je pense qu'on a trop tendance à penser systématiquement que donner de l'échelle à quelque chose, c'est nécessaire. Et je pense que chaque type de dimension doit trouver sa bonne échelle. Et que autant on pense que, par exemple, apporter un certain nombre de solutions sur le marché peut être un moyen de les rendre plus abordables. Donc, il y a des solutions, par exemple, techniques ou autres, qui ont besoin de cet effet d'échelle pour devenir beaucoup plus abordable. Il y a en revanche les vraies solutions de transformation qui sont fortement contextuelles et qui doivent faire sens pour la communauté qui les porte, en fait.
Et donc là, il n'y a pas forcément d'aller très loin en termes d'échelle. Absolument, voilà. Ça nous rappelle d'ailleurs ce que disait Patrick Bouchain sur le « aller voir le petit », pour reprendre son expression. Merci beaucoup Marie Preston pour cette passionnante séquence. On a parlé d'écoféminisme, de manière de se nourrir dans un quartier, à la campagne, à la ville. On va désormais s'intéresser à la manière d'habiter son corps. C'est l'objet de notre prochaine séquence. Alors, Shelley, vous êtes la co-directrice des Moulins de Paillard, résidence d'artistes et d'exposition à Poncé-sur-le-Loire. Bonjour, Shelley. Bonjour, Pascal. Nous accueillons également Zoé Romano. Bonjour, Zoé. Bonjour. Vous êtes graphtiviste, chercheuse indépendante, enseignante autour des thèmes de l'innovation sociale, de la fabrication digitale, de l'open design. Vous avez fondé l'un des premiers Fab Labs de Milan, WeMec. Vous concevez des cours et des ateliers autour des e-textiles et la fabrication digitale dans différents contextes. Alors, je sais que vous avez un temps compté. Je suis désolé, nous avons pris quelques minutes de retard, mais profitons de votre présence, Zoé. Peut-être, Shelley, une première question à Zoé, ou en tout cas, premier élément de conversation. Sure. Thank you for joining us, Zoé. Je salue Marie Preston, qui est la première invitée en studio, donc on n'avait jamais eu ça depuis longtemps. merci. Au revoir, Marie. And Zoé, who's joining us from Milan. So, thank you. And Zoé, before we look at the future, what Bauhaus can be, the new Bauhaus can be, perhaps we have to address what it had been in terms of the body and women in a school that put women in the women's section, and that women's section of weaving became the most commercially successful and, dare I say, pedagogically very strong influence on the way we work today, we as women, but we as artists and researchers. You have done a lot with collaborative work with women. I know that you are well versed in the work at Annie Albers, but tell us more about what you think perhaps could be the future of this collaborative process that very much comes from the origins of Annie Albers being relegated to the weaving department. Hello? We can hear you. Yeah, good. Hi, sorry, there was a problem with the connection. So the question was, tell us about how the collaborative process and how we went from being mere weavers in a section of the Bauhaus to being drivers of the economy, of collaborative process. I mean, we all know that textile is a really huge industry in the sense that, recent archaeological findings are reinterpreting, for example, the Stone Age, because there was a lot of finding in excavating, and there was a lot of string technologies. So somehow we should start to rethink the history of textile, even if some of its main materials couldn't survive in the years. So that's the main problem with textile. Even if it's a really ancient technology, there is this issue of samples that are just not keeping up like stones. In this year, there is a lot of rethinking the importance of textile in the history, and actually, especially in reinterpreting also the history of what happened during the Bauhaus era. So, for example, one of the representative of this field in the Bauhaus was Annie Albers, that really marked a momentous for fiber arts. So she was one of the first to have this main huge exhibition around the end of the 40s,
And in those, even if in those periods there was textile art was not really in the at the top of the like arts, it was not the main of the arts. It kept having somehow an importance within the school. But we know that I mean, the art form using textile have existed for millennia, but there was not such a high esteem in the art world. So because there was this division between fine arts and textile, what was decorative and what was really art. And I think this could be the time in which we rethink what was its role in history. And especially we know that when we became like stencil, we started to live in villages. Of course, there was a division of us. There was the beginning of a division of labor in which women that had kids stayed home, and then they were working at the loom. So somehow the loom became interpreted as a tool for domesticity, even if it became also a huge industrial tool. So it's a complex story, and I think we have this is the time we can rethink and retell a lot of stories that have not been told, especially of collaboration of women within this field. And indeed, because textile and technology have been going hand in hand for many years now, how do you feel, again, it even goes back to Bauhaus, the idea that technology can liberate the body. And how do you feel that technology has not only liberated the body, but perhaps liberated the society to a certain degree in regard to textile? I mean, we know that textiles somehow are helping us to protect our bodies, but that, yes, it was a functional use that we have, but they've been always a mean for communication, for symbols, for communicating our role in society. Like when you have a very complex textile that takes many hours to be constructed, that was let's say a symbol of health, wealth, and so we also need to like think of how when we are introducing in the last like 10, 15 years. Smart textile within this field, the role of like how we can use this textile has changed a lot. Of course, that can become very important for applications that are more connected with health, that are more connected with relationship and become sensitive and becoming smart materials. So I think there's a lot to also rethink about our relationship with textile, not only on our body, but also in our environment, because we all live in houses with a lot of textile in it. Only 20% of textile that we use is used in fashion. So we need to think also about this. Indeed, the idea of, without playing the pun, but the idea of the interweaving, we've noticed here in the arts, so when arts add the craft that William Morris was purporting and defending, and the functionality, when the weave of it comes into the arts, we see that we're entering into different fields, be it healthcare or schools. You have in Italy, in Milan, but in other parts, worked on a lot of educational programs with young and with different groups of people, with women, through textile. Why, and you can tell us about your projects, but why do you think in particular textile is kind of universal for people? More so than perhaps painting or another art? I think that the textile allows you to change perspective or on what is technology. Because somehow
in Milan, when I started our makerspace, we've been investing a lot in spreading and connecting electronics with textile. And so many more women got to be interested in electronics. So in which way you can learn something that usually in Italy doesn't really, welcome women. So it's really hard to be a woman and be part of engineering electronics. It's like 90% men. Other part of science are more, we have more women, like biology and medicine, yes, but not that top type of science. And I think that textile had this connection with domesticity and women, it became not in the university was not really at the top of the rank. But I think that right now, with the nanotechnologies and also there were a lot of studies around spiders and the web and nanotechnology related to that, and studying which way the spiders are weaving the web and make it smart. So right now there are a lot of bridges that are trying to create interdisciplinary way of interpreting and understanding and learning this type of application. I believe that 300 years ago, where the European Enlightenment constructed the mythology of technology, was also influenced by humanism, colonialism, racism. So, and this type of mythology ignore a lot of local wisdom, but also women wisdom, women technologies, indigenous innovation, because it was ranked lower and or also kind of being not... it was defined as primitive. Right now, I think there is the chance to change the perspective and see what didn't work within the modernist approach and make it more inclusive. I think that is the first. I hope this is the way it's going to be interpreted and creating participation in Europe. Before you became working with Arduino, before you became someone so knowledgeable about the textile, about the technology, excuse me, you were working in fashion as well. And if we just take a little stab at dealing with the Bauhaus as something where function is what determines form, but then if you look at costumes of someone like Oskar Schlemmer, in fact, there's a huge imposition on the body. It's very different from the design or the architectural aspect because there's something imposed on the body. How do you think that today's e-textiles and technology is taking into account the actual movement of the body or is imposing the way the body moves in space? I mean, the artistic experimentation, it gives you a lot of ways to think of when you experiment with weird forms, with geometric forms and try to wear them, you even if they are crazy, you realize a lot of insights about it. So I think that it's fundamental to have artistic experimentation to really feel it on your body. What does it mean to have something that it's crazy? So that's why artists and designers should also work together. And I think that right now the introduction of e-textile could and digital fabrication could allow to move from this opposition between on one side craft and on the other side in industrialism and find a way in the middle. Because with the digital fabrication and rapid prototyping and small batch production, we can really produce only when it's needed
and we can like avoid mass production to tailor solution for a small number of the population, because I mean mass production obliged us to fit into sizes, to fit into like specific form that designers and other people that were in the know imposed on us. Right now we don't need that anymore. We need to consume less because there is like an ecological limit, and so I believe in this middle way in which we can, you can have the, and for example laser cut garments and use like knitting machine that can create a seamless garments, so you don't need to cut and sew. So there is a lot of solution that can locally produce, and so forgetting most of the mass production that we have now and become more sustainable. Excellent. Thank you, Zoe. Thank you so much. And yes, so experimentation, which is what keeps Sick Bases alive and keeps the arts continuing on and not getting static. We know you have to run. Thank you so much for giving us your time. Thank you, Zoe. Thank you to you. Bye-bye. Bye-bye. But so, Xavier... Pas mal de nouveaux angles de questions hein, qui vont du compagnonnage avec la technologie à peut-être une diversité des façons d'habiter, des façons de vivre, des façons de vivre son corps aussi. Peut-être quelques réactions, quelques éléments qui vous ouvrent avec les enjeux, bien évidemment, industriels, économiques que Zoé a abordés. Je pense qu'effectivement, les témoignages et les réflexions montrent que la transformation des modes de vie passe par une réflexion sur la transformation de l'ensemble d'un écosystème assez complexe qui détermine les produits qu'on porte, les produits avec lesquels on meuble nos intérieurs et qui ne sont pas neutres, comme les produits qu'on mange. On a vu tout à l'heure la question de la nourriture. Et donc, il y a clairement au cœur du nouveau Bauhaus européen cette réflexion sur redonner du sens à ce qui équipe notre mode de vie, finalement. Et donc, là, il y a toute la question, et on a pas mal de contributions qu'on a reçu sur comment amener plus de durabilité dans la production textile et dans la production de vêtements, comment rendre aussi compatible la création et le côté abordable. Et ça, on le voit beaucoup, par exemple, dans le domaine de l'artisanat. Il y a une réflexion sur une forme presque d'économie sociale qui permettrait de retrouver plus de création, plus de développement économique avec des ressources et des talents locaux, tout en assurant le fait que les produits soient abordables pour le plus grand nombre et que ça soit pas une niche, un espèce de ghetto vert pour privilégier. Donc ça, c'est toute une série effectivement d'enjeux et de questions que les contributeurs au débat qu'on a lancé en janvier ont apporté. Donc, ce sera une réflexion pour la commission, comment on accompagne la réflexion et la mutation et l'adaptation des écosystèmes industriels et comment on favorise l'émergence aussi de peut-être nouveaux écosystèmes artisanat, où l'artisanat se combine avec d'autres forces pour offrir de nouvelles solutions. Alors, continuons ce chemin avec un nouveau dossier préparé par notre collègue Vincent Socodato avec la 27e région. Nous accueillons maintenant Laura Pondel et Stéphane Vincent. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous.
Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, je l'espère. Mais alors voilà, Laura Pandel, vous avez été formée à l'ENSI Les Ateliers. Vous êtes designer spécialisée dans l'accompagnement des politiques publiques. Votre pratique se situe au croisement entre les sciences sociales, ancrée dans une démarche de terrain critique et réflexive, et les outils créatifs et projectifs du design social. Après un long compagnonnage auprès de l'association La 27e Région, vous exercez actuellement en tant qu'indépendante au sein de la CAE Copanam sur des projets de recherche action comme le programme Vieillir Vivant, labo de création intergénérationnelle, ou en accompagnement de démarches portées par des collectivités publiques ou des organismes d'intérêt général. Vous portez un intérêt marqué pour la lutte contre les inégalités sociales et à la place donnée à l'autodétermination des citoyens et des citoyennes, des habitants et des habitantes dans les projets d'innovation sociale. Stéphane Vincent, vous êtes cofondateur et délégué général de la 27e région, un Think Action Tank consacré à l'innovation publique créé en 2008 et basé à Paris. La 27e région conduit des programmes d'innovation inspirés par le design de services, les méthodes issues de l'ethnologie et de l'innovation sociale en partenariat avec des collectivités locales et des services de l'État. Vous avez une formation universitaire en management et innovation et travaillez au sein ou avec des organisations publiques depuis 25 ans. La 27e région est cofondatrice de States of Change, un collectif international de 25 structures pionnières dans le champ de la transformation publique. Alors, merci à tous les deux et on va continuer ce chemin avec une première question, genre question impossible à répondre, Laura, qui est une tentative de description de ce qu'est le métier de designer aujourd'hui. Alors, je dis bien le métier de designer, ce qu'on nous a repris. On avait écrit le métier de designeuse, mais on nous a repris en disant le métier de designer. Et non, peut-être essayons de décrire ce qu'est ce métier. Bon, il y a tout un débat, en tout cas, sur designer, designeuse. En tout cas, le voilà. Terme designeuse se fait de plus en plus de place en France. Voilà. Donc, alors, personnellement, je continue à dire designer, sachant que c'est en anglais, donc ça désigne les hommes comme les femmes. D'accord. Peut-être, du coup, pour essayer de répondre à votre question, du coup, pour moi, le design, c'est le fait de travailler sur, on va dire, la qualité de relation entre une personne et une chose, quoi. Et cette chose peut effectivement être un produit industriel, mais aussi un service, un texte juridique, un système social, une organisation. Voilà. Mais en tout cas, c'est de travailler sur une dimension relationnelle et effectivement essayer de garantir aux humains une qualité d'interaction positive, esthétique, juste, qui leur apporte de la dignité, du confort, de la fonctionnalité. Tentative de définition. Et vous, Stéphane, si on rentre, on continue le même exercice, parce que là, on est peut-être... Moi, je ne suis pas designer, et oui. Je viens de la fonction publique, moi, je viens de l'administration et de l'action publique. Pour moi, le design, c'est surtout ce qui, quand on a démarré en 2008, a au moins en partie répondu à ce qu'on avait identifié comme un déficit de conception de l'action publique, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que un des problèmes qu'on connaît quand on fabrique des services publics et des dispositifs publics, c'est qu'on les fabrique à partir d'une culture qui est la culture de l'administration, des gouvernements, de plutôt venue des sciences de gestion et d'administration, et qu'en fait il n'y a pas de souci premier pour la qualité de conception dont parlait Laura à l'instant. Et donc, moi, j'ai surtout vu dans le design un allié, peut-être un des chaînons manquants de l'action publique, qui sait faire plein de choses aujourd'hui. Hein. Il ne s'agit pas de dire que l'action publique, c'est, on n'est pas du tout, au contraire, dans le fonctionnaire bashing. Mais il y a quelque chose que l'action publique n'a pas dans sa culture, c'est la conception, c'est savoir concevoir des dispositifs avec une intention, avec une approche méthodologique, dans le cadre d'une culture de conception. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette rencontre. Notre projet, c'est l'histoire d'une rencontre entre des fonctionnaires, des élus qui essayent de trouver des façons d'améliorer ce qui pose un véritable problème démocratique, qui est l'échec des politiques publiques. Faut savoir, les politiques sociales, en France, c'est 35% de non-recours. C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques qui existent et dont les gens ne se servent pas, ou dont beaucoup de gens ne se servent pas. Et c'est vrai que le design est arrivé un peu comme un des ingrédients, une des disciplines qui pouvait nous aider à combler ce déficit de conception. Et peut-être du coup, pour essayer de finir de répondre à votre question, c'est vrai que nous, on s'est intéressé à une forme de design assez particulier,
qui est donc le design au service des politiques publiques et qui s'attache en fait à essayer de comprendre des objets que sont les institutions, donc en tant qu'organisation, et de les considérer comme effectivement des productions culturelles qui se manifestent par un certain nombre de formes, de relations induites aux habitants, habitantes, voilà, de formes numériques, parfois de services, et en tout cas de se poser la question de comment est-ce qu'on essaye de travailler sur l'usage et la qualité en fait de ces manifestations tangibles pour les, voilà, pour les habitants. Alors nous avons avec nous Xavier Troussard depuis ce matin, donc on le j'espère qu'on le torture pas, hein, on le questionne. J'espère que c'est agréable quand même, mais justement peut-être autour de cette, je crois, idée ou évolution des politiques publiques ou de la part de la conception dans les politiques publiques, peut-être Stéphane, Laura ou Xavier voulaient peut-être réagir un petit peu. Peut-être qu'est-ce que cela vous pose comme question relativement à cette initiative du New Bauhaus européen. Bonjour Vincent, bonjour Laura. Bonjour Xavier, content d'avoir. On est partenaire en CRIM depuis des années dans le développement de ce nouveau champ du design pour les politiques publiques. Et je crois que le nouveau Bauhaus européen est une tentative aussi de porter une intervention politique d'une nouvelle manière et donc de poser la question de la co-conception. Du co-design d'une initiative, y compris au niveau européen. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on tente cela on le fait modestement et on en tirera les leçons. Mais la démarche, dès le départ, était une démarche qui visait et qui est animée dans mon équipe avec des designers. On reviendra sur la place du designer dans le design nécessaire, mais on est bien effectivement dans la question de transformer la manière de concevoir des initiatives. Alors, c'est vrai au niveau européen, pour cette initiative en particulier, où on a essayé de mettre en place un dispositif qui permet une co-création d'un type nouveau et pas simplement donner un projet et puis demander aux gens de commenter le projet. Là, on essaye d'avoir une autre approche pour se rapprocher des besoins, mais aussi des aspirations des citoyens européens. Et le but qui est la transformation de nos lieux de vie et de nos modes de vie suppose là aussi, si on veut intégrer les différentes dimensions sur lesquelles on s'appuie, les dimensions de durabilité, d'inclusion et de sens au niveau culturel, eh bien ça suppose une orchestration. Et donc c'est en soi un processus de design. Maintenant, la question c'est la place du designer. Aujourd'hui, les designers sont tout à fait minoritaires, quasiment inexistants ou anecdotiques dans l'espace du développement des politiques publiques, dans l'espace du développement de politiques urbanistiques et dans le développement de projets de transformation. Ça commence à changer, mais on est au début de ça. Et je pense que si on veut accélérer cette transformation, moi, je crois beaucoup à la capacité du design de jouer un rôle majeur dans cette orchestration nécessaire de la transformation au niveau local. Mais ça suppose aussi une mutation probablement dans la profession elle-même et dans l'éducation au design. On est encore dominé dans ce secteur et moi, je le sais parce que j'essaye régulièrement de recruter des designers, on est encore dominé par la logique du design de produits qui, en partie, est la cause d'un certain nombre de problèmes auxquels on veut remédier par le nouveau Bauhaus européen. Donc, je sais que ce n'est pas un nouveau débat dans la communauté du design. Dans les années 70, il y avait déjà des positions extrêmement fortes qui dénonçaient le fait qu'on avait peut-être perdu ce que Laura appelle cette recherche de la qualité de la relation, et que maintenant, la qualité de la relation, il faut la porter avec l'environnement, avec les dimensions sociales, d'inclusion. Et donc, le défi du design est plus important, et on a besoin de designers qui sont à la fois motivés par ce défi, mais qui sont formés aussi à cette orchestration complexe et à l'implication des citoyens, de l'ensemble des parties prenantes au niveau local. Et je sais que Vincent et Laura ont une grande expérience dans ce domaine en France. Alors, profitons-en de cette grande expérience. Peut-être Stéphane hein, qui va répondre. Non, mais absolument d'accord avec Xavier sur
le fait que les choses vont jouer aussi beaucoup sur la place du design. Ce qu'on peut peut-être partager avec vous, et, c'est que la chance qu'on a, et j'ai l'impression que l'initiative du New Bauhaus arrive au bon moment, c'est qu'on a déjà une première expérience en France et en Europe de ces formes de design un peu particulières, de ce que fait cette rencontre dont tu parles entre le design, la culture du design et celle de l'action publique. Et peut-être nous, on peut vous dire quelques mots, quelques enseignements qu'on a tirés, par exemple, d'une expérience auquel on s'est livré dans le cadre des Assises françaises du design, où on nous a demandé, avec la communauté des designers professionnels, des écoles, des gens qui sont engagés, des professionnels du design qui sont engagés dans ces voilà depuis 10-15 ans, c'est de faire une espèce de retour d'expérience, quoi. Qu'est-ce qui empêche, en fait, ce que tu appelles de tes vœux, Xavier, à savoir une montée en puissance du design? Peut-être qu'on peut livrer quelques... voilà, en gros, le processus a été pendant 6 mois un travail collectif avec 90 acteurs du domaine et la production d'une série d'un diagnostic et de recommandations pour essayer de pousser plus loin le design dans l'action publique. Peut-être qu'on peut dire quelques mots. Du coup, peut-être pour commencer, un enjeu qui ressortait de ce diagnostic partagé, c'était quand même de se dire que depuis 15 ans, on a fait un chemin assez considérable. Enfin, en tout cas, à l'échelle de la France, on est passé d'une discipline qui n'avait pas de nom, quoi, qui était effectivement d'un design appliqué aux politiques publiques, à un secteur d'activité qui est structuré et qui dispose aujourd'hui d'une grande diversité d'acteurs, que ce soit des indépendants, des organismes de recherche, des écoles qui commencent un petit peu à se spécialiser sur le sujet, et surtout un grand nombre de commanditaires publics qui essayent d'intégrer, en tout cas dans leurs commandes, appel à des designers dans des formes pluridisciplinaires qui d'ailleurs sont très, enfin pour moi, sont vraiment dans la ligne droite de ce que préconisait le Bauhaus originel, c'est-à-dire effectivement du design pour tous, qui s'applique à tous les objets, à tous les champs de la vie, que ce soit la société, la question de la famille, la question du cadre de vie, etc. Et surtout qui est assez ancré dans l'observation des modes de vie et donc qui tente de fréquenter le plus possible, en tout cas, les sciences sociales. Voilà, donc le constat quand même assez positif de voir qu'effectivement, il y a un domaine, il y a une école qui s'est structurée quand même autour du design des politiques publiques. Et après, peut-être des constats qui nous font mesurer un peu la marge de progression qu'on a encore à faire, et peut-être que le New Bauhaus est aussi l'opportunité de questionner un peu ces horizons et cette marge de progression qu'on a encore, qui est voilà une certaine fascination malgré tout pour le design en tant que offre méthodologique qui viendrait justement effectivement pallier à des problèmes de conception, mais qui pourrait du coup manquer d'impact politique et en tout cas peiner à faire vraiment levier sur des stratégies politiques, des stratégies d'organisation de territoire et en tout cas adresser des questions sociales fondamentales que sont effectivement la précarité, la question de la justice sociale, les enjeux du réchauffement climatique, enfin en tout cas tous ces enjeux de société majeurs qui voilà, dont la société, que la société traverse depuis ces dernières années. Et du coup, de se demander comment est-ce qu'on arrive à sortir d'un design qui serait essentiellement méthodologue, c'est-à-dire qui viendrait apporter aux collectivités, justement, des outils, des méthodes, des manières de faire, à un design qui se recontextualiserait et qui permettrait, en tout cas, de faire plus levier sur la question du politique. Et effectivement, on a pu voir, en tout cas, dans les échanges qu'on a eus avec nos partenaires autour des Assises du design, nos interlocuteurs, un certain nombre d'échecs aussi qui ont été mesurés, de projets de design qui, finalement, n'ont pas réussi à transformer l'essai et se sont un petit peu arrêtés au moment de l'expérimentation sur le terrain avec une vraie créativité déployée, mais en tout cas, beaucoup de mal à finalement faire ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire transformer les institutions dans leur forme, dans leur structure et pas juste à la marge. Il y a un risque, effectivement, pour beaucoup de designers, de sous-estimer les rapports de force politiques. Et donc, concrètement, par exemple, on voit pas mal de designers à qui il manque un tout petit peu de culture politique, de dialogue avec les sciences politiques ou les sciences administratives, de comprendre ce que c'est tout simplement le fonctionnement d'une administration. Alors, c'est vrai que des designers qui s'intéressent au fonctionnement des administrations, ils sont assez rares, mais ils existent. Et souvent, ils ne trouvent pas dans les écoles de design les conseils, les stratégies, les orientations dont ils ont besoin. Nous, on reçoit énormément de... Ce dont on peut témoigner, c'est qu'il y a une génération de jeunes designers, et de moins jeunes, mais surtout les jeunes designers, qui sont désespérément à la recherche de conseils, de sas, de passerelles pour réussir dans ce secteur. Et au fond, c'est assez compliqué parce que je suis pas sûr que toutes les écoles de design aient vraiment pris la mesure de ce que ça voulait dire, travailler avec le secteur public. Il y a quand même aussi un présupposé qui est qu'au fond,
Le secteur public, c'est juste l'entreprise en un peu plus compliqué. Or, nous, on est bien placés pour savoir que c'est une culture complètement différente. Donc, il faut inventer une forme de design complètement différent. Par exemple, c'est certainement pas le design star, hein, c'est beaucoup plus le design de l'humilité et de l'immersion. En tout cas, il y a plein de changements de nature, de pratiques professionnelles, de compréhension, aussi une logique de pluridisciplinarité. Il faut que les designers voient dans les administrations aussi des formes d'expertise et qu'ils ne considèrent pas qu'ils vont sauver le monde et apprendre leur vie à des juristes ou des agents qui connaissent parfaitement leur métier. Donc c'est vrai qu'on espère quand même très fort, et nous on est prêts, hein, et disponibles, que le New Bauhaus serve à inventer des formes de passerelles, peut-être qu'il y a des choses qui doivent se passer dans les écoles, mais il y a peut-être des choses qui doivent se passer avec ou à côté des écoles. Peut-être qu'il faut aussi que ça soit des spécialités. On ne va pas embêter tous les designers avec ces choses-là. Il n'y a pas que des designers qui veulent travailler dans le secteur public. Mais voilà, nous, on est très, très enthousiastes pour faire œuvre utile si le New Bauhaus, c'est une façon de préparer cette nouvelle génération de jeunes professionnels à affronter le secteur public, si j'ose dire. Vous nous parlez en fin de compte d'une forme de repolitisation du design, si on peut dire ça. Hein. C'est-à-dire, effectivement, quelque chose qui prend l'ensemble des enjeux publics, les enjeux de société, voilà. On a un certain nombre, je dirais, de contractions sociales aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, on a besoin de faire ces mutations, et je crois que le New Bauhaus européen, il est clairement pensé dans un accompagnement, peut-être même une accélération des mutations, en tout cas quelque chose qui doit changer avec des changements assez profonds, même de nature anthropologique, je dirais, pas simplement que de forme d'action. Une question à vous trois, comment justement dans ces moments de contraction où une partie des, je crois, de nos concitoyens européens ne sont pas tout à fait engagés dans ces mutations, en tout cas cherchent de la stabilité, cherchent des repères, etc. Comment vous voyez concrètement quel type d'action pourrait être conduit pour se réconcilier avec l'évolution, l'invention, l'imagination nécessaire? Je ne sais pas, Xavier, Stéphane, Laura, un peu comme... Vous voulez, en 5 minutes, de nous dire comment va changer d'air, quoi, vous voyez. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure sur un peu comment est-ce cette repolitisation ou recontextualisation possible du design dans les enjeux contemporains. En fait, il faut aussi travailler du côté du désir de design, du côté des commanditaires publics. Et là, je pense qu'il y a aussi une marge de progression qui est encore là. Il y a une sociologue qu'on aime beaucoup qui travaille à Vancouver au Canada qui s'appelle Sarah Schulman, qui parle de « wicked problems ». Du fait que le design doit justement traiter des problèmes en fait qui n'ont pas de solution et qui sont en permanent diagnostic, qu'il faut reposer en permanence, qui sont les problèmes de précarité, etc. Et voilà, et je pense qu'effectivement le risque de l'institutionnalisation du design des politiques publiques, ce serait justement de s'intéresser à une forme d'innovation sur des sujets un peu faciles entre guillemets, où on sait qu'on a des chances de marquer des points, de gagner, et de laisser de côté des sujets problématique ou en fait le risque aussi de se planter, de devoir se repositionner en permanence est là. Et voilà, en tout cas nous on pense qu'il faut effectivement encourager les administrations à aussi faire bosser des sociologues et des designers sur des questions complexes, quoi. Et ça implique aussi le droit à l'erreur et voilà. Je pense que c'est un point fondamental, Laura. Je pense que le design est celui qui peut permettre aux politiques comme à l'administration de se colter la complexité. On ne peut plus réellement éviter la complexité, mais on ne peut pas l'aborder sans une approche de design, sans une approche de conception d'ensemble, et on a besoin d'un espace de confiance pour le construire. Et donc, le deuxième problème, après la complexité, c'est la défiance à l'égard du politique, la défiance à l'égard des autorités. Et là aussi, ce que Laura disait dans un bon design, qui est précisément de trouver la qualité de la relation, la qualité du lien, eh bien, je pense que la deuxième fonction extrêmement importante, c'est de recréer un espace de lien, un espace de confiance. Et je pense que ce que tu disais, Pascal, sur le fait qu'on est dans une période de contraction et que peut-être il y a une frilosité. Moi, je suis surpris
de l'engouement, je suis surpris de la volonté de changement qu'on trouve un peu partout en Europe. Et je pense que si, avec le design, on crée un espace pour que ça s'exprime, pour que ça se partage, je pense que l'élan de transformation, il est potentiellement déjà là. Ce que je crois, il est là pour beaucoup, il est effectivement. Et Stéphane, peut-être un mot de... Non, je suis d'accord, je pense que j'ai souvent l'impression... On a pris un peu de retard, je suis désolé. Alors, voilà. C'est passionnant, on va voir comment peut-être dans le futur, on reprend... on approfondit peut-être ces questions parce que derrière aussi, elles vont nous envoyer, on le verra en fin de matinée, sur les questions de gouvernance, les questions d'autogouvernance, aussi les formes d'organisation. Et là, à concevoir, il y a un sacré enjeu aussi. Stéphane, peut-être un peu sur cette question des mutations. Juste pour confirmer ce que disait Xavier, on a l'impression qu'au fond, les pièces du puzzle sont un peu là. On sait un peu sur quoi il faut agir. Ce qui est compliqué, en fait, dans le monde du design, c'est de, comme dans tous les milieux, hein, c'est de créer des coopérations qui fonctionnent, quoi, entre écoles, collectivités, labos de recherche. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, parmi les pistes qui nous intéressent, c'est comment on crée des. On encourage cet écosystème à se constituer. Donc comment des élèves travaillent, préparent leur entrée dans des collectivités, peut-être qu'il faut créer des passerelles à cet endroit, comment on crée des passerelles entre les collectivités et les labos de recherche, parce qu'on a besoin de la recherche aussi pour nous pousser plus loin, comment tout ça aboutit à des solutions qui apportent véritablement des réponses à des problèmes liés au chômage. Là, j'ai l'impression que c'est la place des designers dans une espèce de R&D social et public qu'il faut arriver à constituer. Donc franchement, les marges de progrès sont importantes, mais on voit quand même où tout ça nous emmène, quoi. C'est ça qui est aussi assez motivant. Mais maintenant, il faut faire des choses assez précises. Comme on peut pas tout faire, nous par exemple, on pense qu'il faut inventer des formes de spécialisation. On appelle ça l'école buissonnière. Il y a des endroits où des designers puissent échanger avec des agents publics, mais aussi des urbanistes, des juristes, pour se préparer à leur emploi futur. Aujourd'hui, ils sont fébriles quand même. Donc, affronter le monde public, c'est quand même un univers tellement particulier que si on ne crée pas des passerelles entre l'école et le premier boulot, hein, par exemple, tout simplement, eh ben, on risque de rater aussi des vocations. Il y a des gens qui vont partir en disant « c'est trop compliqué, moi, je n'irai pas ». Et donc, on a besoin de muscler un peu les jeunes designers les plus volontaires parce qu'on a besoin, on va avoir besoin, là, ils sont très peu nombreux, en fait, hein, on a besoin de multiplier par 10 ou 100, ce que disait Xavier tout au début, hein. La demande est là, l'offre, elle a encore besoin de monter en puissance, en gamme, en nombre, etc. Et en tout cas, pour diversifier cette offre, c'est vrai qu'on a aussi un petit peu la sensation qu'il faut arriver à, comment dire, remettre un peu en question la question de la co-conception, qui était un horizon, en fait, revendiqué du design des politiques publiques à son démarrage, c'est-à-dire il faut apprendre à co-concevoir les politiques publiques avec les habitants et d'essayer aussi d'aller vers un design qui va avoir un impact plus grand, en tout cas, sur des phases de décision, sur des phases de structuration de gouvernance de services publics, en tout cas, de se renseigner, par exemple, de s'intéresser au domaine des communs, qui sont des champs qui sont en pleine réflexion actuellement, et je pense dont le design a beaucoup à apprendre, s'intéresser aux droits, enfin, en tout cas, s'intéresser à tous les champs connexes qui, quelque part, font pression de façon positive sur la sphère publique, et voilà, que le design ne se situe pas juste à un endroit d'outils de co-conception, mais aussi au sein de toutes ces autres disciplines qui sont un peu en ébullition aussi en ce moment. Aux compositions avec tous les partenaires et peut-être toutes les personnes concernées par la décision publique. Oui. Des formes d'alliance à recréer, mais aussi, je crois, il y a ce mot de confiance qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire comment on crée des espaces de confiance où on peut se livrer à une forme d'inventivité. C'est pas facile d'avancer des idées nouvelles, hein, souvent. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, le New Bauhaus permette peut-être... l'émergence d'expériences dans un premier temps, mais qui permettent de créer ces espaces où ces expérimentations peuvent se poursuivre. Je vous remercie vraiment, Laurent et Stéphane. En plus, on a pris un peu de retard. Enfin, bref, merci beaucoup pour cette séquence et je vous propose que nous rattrapions notre retard maintenant en abordant notre avant-dernière séquence.
Alors, nous allons tout d'abord regarder ensemble une brève capsule vidéo captée par interview réalisée par Florence et Martha Gutiérrez de notre équipe, dans laquelle nous avons rencontré Patrick Bouchain dans la toute première période. Là, on va plutôt parler de son métier, qui est construire, habiter, où se pose la question aujourd'hui. On écoute. Ceux qui construisent pour nous ne sont jamais dans le confort. Et ils nous donnent le confort. Peut-être que le courant d'air n'est pas un obstacle au travail. Ou peut-être que le changement de température est favorable au travail. Et donc, du coup, c'est toujours de relier ce qui ne l'est pas. Le froid, le chaud, le dehors, le dedans, l'intellect, le manuel, la personne plus âgée, la personne plus jeune, ainsi de suite. Et donc, lentement, l'équipement se fait. Et quand il est fini, c'est comme s'il avait toujours été là. Il n'y a pas un moment d'inauguration où on dit il y a un avant, il n'y a rien, il y a un après, il y a tout. Il y a en fin de compte un processus lent de transformation du paysage, de transformation de la matière, de transformation des comportements qui fait que lentement on comprend qu'il faut être plusieurs pour construire et que construire c'est un moyen de se relier. Quand le cirque a été un peu rationalisé, la piste fait à peu près cette même dimension entre le 13 et le 16 et on dit que c'est la longe du cheval. Puisque c'est Ashley qui, le premier, a fait un spectacle avec des chevaux donc de manière circulaire. Et c'est vrai que quand l'homme tient la longe du cheval pour que le cheval tourne, et que le cheval n'est pas mal, en fin de compte, aux colonnes vertébrales, parce qu'il se courbe et tout, c'est cette distance. C'est comme s'il y avait une rencontre entre une dimension humaine et une dimension animale. Voilà, donc, et après, il y a une dimension visuelle. C'est dans le cirque, ou dans l'église, si vous voulez, il y a dans le lieu de rencontre, enfin, dans le foyer ou le campement, il y a au centre, il peut y avoir le feu, par exemple, au centre, il peut y avoir l'officiant. Mais ce qui est formidable, c'est que quand vous regardez un spectacle au cirque, non seulement vous voyez le spectacle, mais vous voyez un autre. C'est-à-dire que vous ne voyez pas à quelqu'un qui est contre la mort, contre un mur, mais vous voyez quelqu'un d'autre qui éventuellement réagit à ce qu'il voit. Et pourtant, il voit l'inverse de vous, parce qu'il voit l'envers de ce que vous voyez. Vous voyez, c'est presque Alice au Pays des Merveilles. C'est, en fait, c'est le miroir de soi-même au travers d'un autre qui permet peut-être de comprendre ce qui se passe au centre. Et ce qui se passe au centre tourne à 360 degrés, et c'est le fonctionnement de la Terre. C'est-à-dire, voilà, nous tournons, la Terre tourne, les satellites tournent, et peut-être que là, il y a une dimension. Et donc, quand on a fait l'installation de ce cirque en dur, comme on dit, qui n'est pas démontable, on a mis donc sur la place publique, derrière moi, un cercle qui est ce cirque virtuel. Et c'est très très drôle. Quand des enfants viennent ici, ben, rarement ils le traversent. Ils le contournent ou ils se mettent au centre. Mais très rares sont les gens qui l'oublient tel qu'il est tracé au sol. Et même quelquefois, il y a des spectacles qui se font dehors pour les fêtes de fin d'année ou pour voilà, des créations et tout. Ce centre rappelle qu'on a besoin d'un centre pour se retrouver. On a confondu se loger et habiter. Donc le grand drame est là. Et qu'on a considéré qu'il fallait se loger, travailler, et on n'a pas considéré que habiter, c'était l'ensemble. C'est habiter dans quelque chose que vous avez construit. Et c'est construire sur quelque chose que vous habitez. Là, vous habitez la terre, et sur cette terre, vous devez en effet agir pour pouvoir vivre. Et donc, dans l'action pour vivre, eh ben, vous pouvez dégrader certaines choses, apparemment vous déséquilibrer. Et si vous apprenez quel est le déséquilibre que vous créez, vous pouvez le réparer. C'est-à-dire que vous êtes sans cesse en train d'équilibrer les choses. Et vous pouvez donc habiter, peut-être en abîmant le moins possible ce que vous habitez. Voilà. Et peut-être que l'habitat, c'est quelque chose que vous transmettez. C'est-à-dire que vous habitez quelque chose qui a appartenu à quelqu'un avant et vous prenez la suite de cet habitant. C'est ça qui crée presque l'éternité humaine. Il y avait le monde avant les hommes, il y aura un monde après les hommes. Les hommes disparaîtront sûrement avant, ça c'est sûr. Il n'y a aucune raison. On n'a pas été créé en même temps que le monde et on disparaîtra en même temps que le monde. Donc on est pour un temps donné, ça peut paraître long pour une vie humaine, c'est très peu pour
rapport au monde. Donc on est un occupant provisoire du monde et on doit habiter en faisant moins de mal au monde. Et donc peut-être que habiter, c'est pas se loger, c'est le contraire de se loger. Peut-être qu'habiter, c'est savoir travailler sans dégrader le monde. C'est peut-être aussi d'avoir le moyen de travailler, parce que très souvent, il y a des gens qui voudraient travailler et qui ne travaillent pas, ou qui font quelque chose qu'on ne prend pas pour un travail, parce qu'on prend au prétexte que le travail, c'est simplement la vente de sa force de travail. C'est, en fin de compte, toucher un salaire. Mais peut-être que quelqu'un habite le monde et permet à des petits oiseaux de venir dans son jardin ou des papillons de se poser sur ses fleurs, il travaille à la protection du monde. Peut-être que travailler, c'est habiter le monde en pouvant se nourrir, en pouvant accueillir l'autre et éventuellement en pouvant protéger, en habitant le monde. C'est ça, habiter. Et donc tout le reste, c'est de trop. À quoi ça sert le développement économique? Pour un certain temps, c'est formidable. Puis après un jour, on s'aperçoit que le développement économique, son coût social, son coût écologique, son coût économique est bien supérieur à la richesse économique que ça a apporté. Peut-être que même on a confondu commerce et économie. Peut-être que l'économie, c'est justement habiter le monde en toute délicatesse vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde sur lequel on est. Donc moi, je voulais pas du tout être architecte, ça ne m'intéressait pas. Mais je voulais être dans une activité où je rencontrerais des gens qui, par obligation, par nécessité, feraient quelque chose de positif. Construire, c'est positif. Là, l'homme construit pour se protéger, construit pour montrer ce qu'il sait faire, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'architecture. Et je fais une architecture qui est, moi, totalement inattendue, mon contre-fou de la forme, elle vient quand elle vient. Voilà. Et elle se transforme quand elle se transforme. Elle est transmise. Dès que c'est fini, je la transmets et en général, je ne vais même plus la voir. Je passe à une autre. Quand on est sur son territoire, on peut avoir envie d'agir sans pour autant être contraint d'être attaché à une réduction territoriale avec des frontières. Peut-être que moi, quand je suis sur ce territoire ici, je suis avec Eleftherios, avec les gens. Je suis chez moi, c'est mon territoire. Ma référence administrative à ce territoire, je l'accepte parce qu'il y a la police ou je ne sais pas quoi, la loi, mais je ne me sens pas que français, pas du tout. Je suis un français, je ne me sens pas que français. Donc je pense que le territoire il doit être petit, il doit être humain, et comme toute petite chose, pour fonctionner, il doit être rattaché à l'ensemble. Alors, le reportage que nous venons de voir a été réalisé au plus petit cirque du monde, lieu à Bagneux, dont nous accueillons maintenant le directeur, Eleftherios Kechagioglou. Eleftherios, bonjour. Bonjour. Alors, Eleftherios, nous entendions à l'instant Patrick Bouchain nous parler d'ancrage sur le territoire, de relations à cette chose très importante pour lui, le territoire. Je pense que, j'aimerais vous entendre à ce sujet, que du point de vue du plus petit cirque du monde, dans un territoire comme Bagneux, ce sont des questions qui vous intéressent. Peut-être pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, je pense que c'est des questions essentielles. En écoutant Patrick Bouchain, j'ai la chance de collaborer avec lui depuis 3 ans, pratiquement tous les jours, parce que nous portons ensemble ce projet dans les cadres de la Preuve par 7, une opération nationale soutenue par le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère de la Culture, la Fondation de France, qui vise justement à penser à une autre façon de construire la ville en intégrant les acteurs territoriaux, les acteurs privés, et les acteurs culturels ou les acteurs du champ social. Et à Bagneux, nous travaillons dans ce sens-là, comment est-ce qu'un projet de territoire, parce que le plus petit cirque du monde, il est né à Bagneux, il est né il y a 30 ans, c'est un projet d'habitant, et c'est un projet qui a grandi de façon inhérente, comme un habitant. Et moi, en réécoutant cette question de savoir travailler sans dégrader le monde, je pense que c'est un peu, ça fait résonance aussi au projet que nous portons et finalement à mon propre parcours. Juste pour information, moi je fais sciences politiques, donc j'étais censé être de l'autre côté, j'étais Sciences Po à Paris, et je me suis retrouvé directeur d'un lieu de cirque. Et je suis ici depuis très très longtemps, et je suis venu il y a 28 ans, et finalement je suis resté parce que je pense que c'est par un habitant un territoire et un habitant plus proche qu'on peut construire une autre façon de voir le monde aujourd'hui.
Donc, je pense que par rapport à cette question du New Bauhaus, finalement, elle pose cette question que l'architecture aujourd'hui, l'urbanisme, doit être absolument relié à la question de la citoyenneté, de l'habitat et de la culture. Tout ça sont très liés et le contenu et le contenant sont très importants aussi. Donc, quand nous avons un bâtiment comme celui-là qui a été construit avant et après, il a été construit avant parce qu'il a fallu 20 ans de travail des habitants, de travail des salariés pour convaincre, pour obtenir les financements, pour travailler avec le quartier, construire ce bâtiment. Et il en faudra encore 20 ans pour que ce projet puisse vraiment transformer l'ensemble de la ville. Et c'est ce que nous faisons. Pour moi, habiter, ça veut dire qu'on est une organisation qui fait du cercle social, qui travaille sur la question comment est-ce que la culture est partagée, comment est-ce que notre magnifique bâtiment il est ouvert à tout le monde. Ici, au plus petit cercle du monde, vous rentrez comme dans un espace public non contrôlé. Vous poussez la porte. Maintenant, il y a plus, on a moins de restrictions, c'est de nouveau le cas. Et ça, c'est très important, le principe de la porte ouverte. On peut considérer qu'aujourd'hui, on les voit dans des pays comme dans les pays du Nord, où effectivement, quand on habite un territoire, on a le droit de traverser tous les paysages ruraux et passer même sur des parties privatives parce que c'est dans la loi. Donc, cette question finalement d'être droit d'accès et de moins séparer les espaces publics et les espaces privés fait partie de cette question habitée. Et c'est le projet aussi du plus petit cercle du monde, de moins confiner, de se dire dans un même lieu, on peut faire des activités artistiques, des activités économiques, des activités d'éducation et des activités finalement de la transformation de la ville. Et ça, c'est la deuxième partie de ce que nous portons aujourd'hui avec Patrick Bouchain, à 10 minutes d'ici, dans une enceinte d'une ancienne usine militaire de Thompson. Nous travaillons avec la ville de Bagneux pour construire ensemble un lycée extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut penser à un lycée comme le lycée d'Aristote, qui est un lycée forain, qui est un lycée dans lequel on apprend, mais on apprend très tôt aussi les métiers de l'architecture et de l'urbanisme. On l'autoconstruit, on est en train de autoconstruire avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes et des jeunes des lycées professionnels ce futur bâtiment éphémère. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Ben oui, il y a un petit souci technique au niveau du studio. Merci beaucoup, Eleftherios. Oui, absolument. Alors, on sent, et j'en suis le témoin direct, hein, un lieu avec le plus petit cirque du monde qui favorise, qui suscite vraiment les mélanges, les expérimentations. Voilà, on croise toutes sortes de personnes. On a pu discuter avec des jeunes du coin qui faisaient du basket et qui font aussi du cirque. Et puis, voilà, aussi les fondateurs de l'association à la base du lieu, etc. Comment, et on parlait tout à l'heure avec Laura Pandel et Stéphane Vincent de cette idée en fait aussi de droit à l'erreur, d'expérimentation. Comment votre manière de faire, vous parliez aussi de ce lycée, participe-t-elle finalement d'une économie du lien? Comment est-ce que vous remplissez en fait concrètement cette idée-là en fait d'expérimenter et de faire par la pratique, en sachant que, évidemment, comme dans le cirque, on peut tomber et se relever. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Oui? Est-ce que oui, vous m'entendez? Oui, absolument, nous vous entendons. Parfait, parce que c'était déjà un message comme quoi mon micro était... a été coupé. Alors, effectivement, je dirais que ce droit à l'expérimentation va de pair aussi avec cette question de l'économie. On va prendre l'économie dans l'essence grecque du terme, c'est-à-dire c'est la loi de la maison. Donc, finalement, on est très proche. Donc, l'économie, l'habitat, l'architecture du Bauhaus, c'est une question économique. On peut même inverser, on peut dire que le New Bauhaus était un Bauhaus qui aurait réussi cette période de l'entre-deux-guerres, hein, parce qu'effectivement, le Bauhaus arrive à un moment où on a une république très fragile, la République de Weimar, et on a un contexte qui a quand même a été celui de la grande crise économique, de la grande crise des sociétés, et finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on est face à des enjeux aussi importants que dans les années 20 et 30. Notre défi, ça serait justement d'éprouver qu'on peut réussir, qu'on peut penser autrement. Et donc, dans cette question, l'économie est un élément important et c'est ça aussi qui est un peu un guide de l'expérimentation. Moi, j'ai toujours voulu inscrire notre projet dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, dire qu'un projet qui s'installe, c'est un bâtiment, mais c'est aussi un modèle socio-économique qui va faire en sorte qu'on va répondre à plusieurs besoins. Nous, notre défi a été de créer aussi de l'emploi local. Un quart de nos salariés viennent du quartier.
La culture n'est pas une panacée. La culture ne vient pas comme quelque chose de transcendant qui va transformer tout. Il y a d'abord des besoins vitaux. Et ces besoins vitaux, c'est habiter, c'est nourrir, c'est pouvoir créer du lien entre les communautés. Donc, ces liens entre la communauté sont au cœur, je pense, d'un projet culturel et artistique comme le plus petit cirque du monde, mais qui est un projet aussi politique et citoyen. Et finalement, au cœur de cette question d'un Barrois, parce qu'un Barrois, c'est construire une cité ensemble. Moi, je prendrai, par mes origines grecques, cette question de la police, la cité. Et quand on prend les quatre termes de la police, donc en grec, on a évidemment la politique, hein, qui est la gestion de la cité. Nous avons la citoyenneté, les politesses, les citoyens. Nous avons la culture, en grec on dit politismos, c'est l'affaire de la cité. Mais nous avons aussi, et c'est très important, poliodomia. Et poliodomia, c'est la construction de la cité. Ça veut dire que la construction de la cité, elle est aussi importante que tout le reste. Donc, moi, je défendrais cette idée-là qu'on devrait faire en sorte que l'architecture, l'urbanisme, la politique, la citoyenneté travaillent ensemble. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas des cours de construction d'urbanisme à l'école primaire, au collège, au lycée. Il faut qu'on apprenne à faire des choses simples, de pouvoir construire une maison. On portait un projet avec Patrick Bouchain qu'on appelle le lycée de demain, dans lequel des lycéens construisent. Ils ont une réflexion, à quoi rassembleront le monde dans 50 ans, dans 100 ans, et construisent dans l'enceinte de leur lycée de l'habitat provisoire avec des matériaux récupérés pour créer du lien. Donc je pense que c'est fondamental de passer par là parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'architecture finalement, parce qu'on pense que c'est uniquement une forme, et ça c'est le problème. Absolument, et merci pour ces paroles, Eleftherios. Alors, pour peut-être élargir ces questions à l'échelle européenne, je crois que vous revenez justement d'un événement organisé par TransEurope Hall autour des lieux culturels et créatifs européens. TransEurope Hall, c'est ce réseau de 36, je pense, salles européennes qui sont grassroots, donc comment traduire, basées sur une communauté locale et qui investissent souvent des bâtiments délaissés, abandonnés. Peut-être pouvez-vous nous en parler. Je pense d'ailleurs que TransEurope Hall voilà, travailler autour du nouveau Bauhaus européen. Donc peut-être que Xavier Troussard également, vous pouvez nous en parler. Eleftherios. Oui, tout à fait. Donc oui, je confirme, TransEurope Hall fait partie du consortium qui a été invité à travailler sur le New Bauhaus. On peut comprendre les raisons. Donc, c'est un réseau qui a été créé il y a bientôt 40 ans, l'initiation du Hall de Schaerbeek à Bruxelles. Et c'est vraiment cette question de repenser finalement ces lieux. Donc, c'est reconstruire. Et moi, je pense beaucoup à ça. Je pense qu'un New Bauhaus, c'est un Bauhaus qui doit reconstruire avant de construire. Donc, il doit construire le minimum et qui doit repenser les usages et qui ne doit surtout pas faire table rase du passé parce que c'est ça qui est intéressant. Et donc, ces réseaux regroupent des lieux très différents avec une grande ouverture à l'Est depuis plusieurs années, évidemment. Et donc, des tentatives et des projets très intéressants dans lesquels l'architecture des lieux, leur emplacement dans des territoires souvent un peu délaissés ou dans des territoires un peu en transition, font en sorte que ce qui est inventé dans ces territoires-là va au-delà des esthétiques. C'est-à-dire à la fois, il y a une approche esthétique, il y a un projet artistique, mais il y a aussi un engagement citoyen, il y a des services qui sont rendus à toute la population. La population, elle fait partie intégrante du projet. Donc, cette rencontre elle était très intéressante. On était au Danemark et on a visité trois lieux très différents. Une ancienne fabrique de bière dans une ville de 5000 habitants, qui était la plus grande fabrique qui devait devenir un centre commercial, qui, grâce à l'initiative des habitants, a été racheté par les habitants du village. Et une fondation privée, avec le gouvernement, ont mis 20 millions et on a créé un lieu magnifique qui aurait pu devenir un shopping mall. Donc, entre ce qui existe maintenant et le shopping mall, évidemment, on comprend bien que c'est aussi une question, on n'a rien contre cette économie-là, mais il y a une déferlante d'un seul modèle et c'est la problématique. Le shopping mall partout finit par tuer, on sait, le commerce, la convivialité, alors que c'est devenu un lieu magnifique. Deuxième exemple, je termine là-dessus, à Aarhus, donc la deuxième ville du Danemark. Derrière la gare, il y a un grand espace et donc la ville d'Aarhus travaille avec des architectes, des urbanistes et des citoyens sur un espace qui s'appelle Institute for X. Donc, c'est un institut pour X. Ça veut dire que dans ces lieux-là, il y a X projets qui peuvent être installés. Donc, c'est un lieu de la transformation de la ville de façon vraiment partagée.
On a vu le succès aussi en France, des démarches comme des grands voisins, Plateau Urbain, avec lesquels nous collaborons, parce qu'ils sont partie de la preuve partielle. Donc, cette question-là, il faudrait inverser, dire que ce n'est pas des démarches sur les côtés qui peuvent avoir un intérêt, ce n'est pas des démarches uniquement d'urbanisme éphémère qui permettent finalement de créer de la plus-value, mais de la plus-value commerciale. Il faudrait qu'on arrive à faire de la plus-value sociétale, parce que nous savons, et je pense que la pandémie l'a montré, les défis du changement climatique et son coût économique vont être très forts, son coût social, on le vit maintenant. Donc, c'est vraiment un projet politique, citoyen, engagé, et je serais vraiment ravi qu'on parle, et je le vois déjà dans la candidature pour le prix dans le domaine communauté, on voit bien que ce n'est pas uniquement le bâti, c'est aussi cette partie de construire le modèle économique, le modèle sociétal, la place de l'art et de la culture dans la vie quotidienne des gens. Oui, en effet, ça me fait penser à quelque chose de très important. En effet, sur les tiers-lieux, il faut qu'on fasse une émission dessus, Pascal. Oui. Mais en effet, en parlant de plus-value sociale, rappelons quand même que pendant la pandémie, de nombreux tiers-lieux ont accueilli des distributions de repas, des fabrications de masques, des Fab Labs, etc. Donc c'est vrai que cette utilité sociale est absolument importante, Pascal. Oui, donc on est autour peut-être de ce qu'on commence à appeler pour traduire ce grassroots, on pourrait aussi le traduire par des pratiques situées, c'est-à-dire parce qu'on emploie, on a toujours un peu de mal avec le terme local, donc des pratiques qui sont situées dans le moment, dans leur géographie, dans dans le paysage culturel, le paysage artistique, le paysage social, économique, etc. Et je voulais passer la parole à Xavier, mais peut-être, Eleftherios, pour inverser les rôles, peut-être une question à Xavier, puisque comme ça, on rentre dans une circularité de la parole entre nous. Oui, bonjour Xavier. Bonjour Eleftherios. Voilà. Mais je voulais juste vous entendre sur cette question plus sociétale du nouveau Bauhaus. Et comment est-ce que, pour l'instant, vous la sentez cette partie-là? Parce qu'on a, je sens qu'elle est là, mais je voudrais bien vous entendre sur cette partie-là. Je pense un des messages extrêmement importants qui vient du processus de dialogue en cours, c'est l'idée qu'on ne peut pas séparer l'espace bâti, l'espace physique, et la réalité socio-économique et culturelle sous-jacente. Donc, c'est jamais à propos d'un bâtiment, c'est jamais à propos d'un plan urbain, c'est à propos des connexions entre les deux, et pour que les transformations du bâti, parce qu'on a aussi un message très fort qu'il s'agit de faire le plus possible avec ce qu'on a. Et donc, les exemples que vous avez donnés sont des exemples de transformation d'un espace existant en réfléchissant à avoir plus pour la société, pour la communauté, au travers de sa transformation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est présent dans bon nombre des exemples qui sont portés comme étant inspirants ou des idées qui sont partagées. C'est vraiment l'idée que, effectivement, le territoire qui fait sens pour les gens, il est petit, c'est extrêmement local. En revanche, ce qui est très important, c'est que ces territoires locaux soient pensés dans leur connexion avec d'autres territoires. Par exemple, c'est très important dans le rapport à la ruralité. Ce n'est pas de regarder le village, c'est de regarder aussi le village et sa relation avec la périphérie urbaine. Et puis, c'est l'ambition de, avec ce qu'on a, inventer comment on peut avoir plus et avoir plus au bénéfice de la communauté. Et donc, d'arrêter de penser les choses comme des choses séparées ou séquentiellement organisées. Et c'est ce qui crée toute la complexité de développer ces projets grassroots ou situés, mais qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils vraiment tissent de multiples dimensions dans un projet de transformation qui est incarné dans un lieu et autour des réflexions sur ce qu'il peut apporter à la communauté. Donc, c'est une dimension extrêmement forte de ce que les contributeurs à notre phase de co-création partagent avec nous. Ben, merci, Eleftherios, de nous avoir emmené au cirque un peu ce matin, un peu à Bagneux, et à très bientôt. Et donc, on a pu voir, je crois, autour de cette séquence, en tout cas, ce que nous importait de montrer, c'était que l'architecture n'est pas que, peut-être, n'est plus que le geste tel qu'on le disait à un moment donné, mais bien une pratique différente, socialement ancrée, géographiquement ancrée.
C'est peut-être par ces pratiques nouvelles qu'on pourra aussi faire ces adaptations aux mutations climatiques. Mais on l'a vu, les phtérios vous le rappelez, par exemple aussi, tout d'un coup une pandémie a un rapport au type de sociabilité, au type, bon, ça on l'avait découvert, mais peut-être même au projet des lieux tels qu'ils étaient pensés. Alors, nous allons continuer notre matinée, même la terminer, par une dernière séquence autour de la question des gouvernances, des auto-organisations, des organisations. Alors, nous continuons notre partenariat avec la 27e région pour cette matinée. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvine Boischoussi, Suzanne Liègre et Xavier Perrin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Sylvine Boischoussi, vous avez rejoint la 27e région en 2017 pour travailler sur sa dimension internationale et notamment sur le partenariat avec la fondation Bloomberg Philanthropies. Curieuse de la manière dont les acteurs locaux expérimentent et initient des transformations dans un environnement mondialisé, vous avez auparavant animé différents projets européens au croisement des questions artistiques, sociales, urbaines. Suzanne Liègre, vous étudiez cette année les politiques publiques et territoriales dans un Master 2 à la Sorbonne Paris Nord. À cette occasion, vous explorez l'innovation publique et sociale au sein de la 27e région. Alors, c'est l'endroit qu'il fallait chercher, hein. C'est plutôt bonne idée. Hein. Et notamment la notion de commun, et on le voit en tout cas que c'est une notion qu'on partage, en tout cas qu'on explore à plusieurs. Hein. Notion de commun à travers des projets comme Lieux communs et Enacting the Commons. Vous vous intéressez à la culture, les questions de genre et l'action publique de manière plus globale et cherchez à vous impliquer dans des projets à l'échelle locale en conservant un regard vers l'international. Oui, alors Xavier Perrin de la ville de Grenoble va nous rejoindre, je pense, dans quelques instants. En attendant, peut-être Sylvine et Suzanne, vous pouvez nous parler des formes de gouvernance, partage de pouvoir, en partant des questions posées par votre projet Enacting the Commons, notamment. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup. Et merci pour votre invitation. Donc effectivement, pour filer l'intervention tout à l'heure de Stéphane et de Laura, ce qui nous semblait peut-être intéressant à partager, c'est un peu plus autour de comment on passe d'une approche de la co-conception dans le design à une approche qui serait aussi, embrasserait en tout cas aussi également la question des gouvernances. Et comment est-ce qu'on va s'attacher plus à comment est-ce que on dessine des formes, des instances pour confronter nos intérêts, pour prendre des décisions collectivement, pour co-porter en fait l'intérêt collectif. Et c'est ce qui nous a guidés en tout cas pour dessiner ce projet qui s'appelle Enacting the Commons et qui nous a permis pendant 2 ans d'aller enquêter en Europe avec un collectif d'acteurs publics, donc 4 villes et 4 acteurs de la société civile pour aller regarder dans différents territoires européens comment est-ce que des collectivités s'est emparées de cette question des communs pour dessiner d'autres formes de partage de pouvoir avec les habitants, avec les collectifs organisés autour de ressources collectives qui peuvent être des espaces physiques comme des jardins partagés, comme des friches industrielles, mais aussi des formes de services publics, donc par exemple à Plymouth, on a pu observer une forme de service public de l'énergie conçu en commun, d'autres formes de gestion de l'eau en commun, etc. Donc, juste peut-être un petit rappel. Par commun, on désigne une ressource qui est partagée, qui est gérée et qui est maintenue collectivement par une communauté. Donc, c'est cette communauté d'usagers qui va elle-même définir ses propres règles dans le but de préserver cette ressource et de la pérenniser et de la garder inclusive et donc de la garder ouverte
pour tous ceux qu'elle concerne. Donc, l'idée, c'est que c'est une communauté dont il produit ses propres règles, qui ne sont pas forcément les règles que pose la puissance publique. Et souvent, c'est porté par des organisations de la société civile, souvent dans une logique de dessiner des ressources plus inclusives, de co-gérer des espaces, à la fois pour ceux qui sont présents, mais aussi pour les générations futures. Et par ailleurs, c'est aussi dessiné dans une optique de mieux-disant démocratique, dans un moment où les habitants revendiquent d'autres formes d'implication dans l'action publique, qui ne sont pas forcément le vote, donc une autre forme de démocratie. Ce qui nous a interpellés, c'est que au moment où on a monté le programme, si ce mouvement des communs était extrêmement ancien, ce qui était un petit peu nouveau, c'est que de plus en plus d'acteurs publics s'intéressaient à justement ces formes d'autogouvernance et regardaient comment est-ce qu'ils pouvaient s'y impliquer, à la fois pour pérenniser ces ressources, mais aussi pour imaginer d'autres formes d'instances, repenser la façon dont sont délivrés les services publics, proposer autre chose aux habitants. Dans une optique vraiment de renouvellement démocratique. Très rapidement, du coup, on est allé à Gand, à Bologne. Donc, à Bologne, où les pactes permettaient de proposer un cadre plus souple d'implication pour les habitants. En Grande-Bretagne, où, dans un contexte de crise, justement, on commençait à réinventer des formes de co-gestion d'équipements publics, de piscines, etc. À Barcelone, avec tout le mouvement municipaliste. Et ce qui nous a intéressé, c'est justement que derrière, en fait, ces mouvements assez enthousiasmants, il y avait aussi des questions, justement, de design. Comment est-ce que on dessine ces gouvernances, mais aussi, du coup, comment est-ce qu'on leur donne des cadres juridiques pour permettre d'encadrer le risque? Comment est-ce que ça dessine aussi d'autres formes de postures pour l'acteur public, d'autres formes de métiers? On n'est plus dans un acteur public qui va décider, lancer des appels à projets, administrer. On est plutôt dans un espace où ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont définir leurs propres défis et où l'acteur public, du coup, va plutôt jouer un rôle d'intermédiateur, par exemple. Comment est-ce que ça dessine aussi, au-delà de ces questions juridico-économiques, parce qu'il y a bien sûr aussi comment est-ce qu'on cofinance ces espaces-là et quelle forme de prise de décision ça recoupe. Derrière, il y a vraiment aussi des enjeux de comment est-ce qu'on produit une alternative démocratique, comment est-ce qu'on imagine des voies qui ne soient pas une gestion totalement privatisée et privée, mais qui ne soit pas non plus une gestion complètement publique des ressources, mais bien dans un moment où on a besoin d'inventer de nouvelles réponses à des enjeux climatiques, sociaux, démocratiques, de diversité, de parties prenantes qui pourraient avoir voix à la décision et qu'on redonne de la pluralité à ça. On est vraiment dans des enjeux qui nous ont semblé extrêmement politiques. Et pour refaire le pont avec le nouveau Bauhaus européen, avant de donner la parole à Suzanne qui pourra illustrer peut-être un peu plus concrètement ces projets. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que ce mouvement des communs, il pointe un petit peu partout en Europe, dans des collectivités, souvent portées par des agents publics, des juristes un peu esselés quelquefois. Mais il essaye de bâtir des nouvelles normes, en fait, et qu'il y a vraiment un enjeu, du coup, à créer de la collaboration et à jeter un autre regard aussi sur ces initiatives qui refondent de nouvelles gouvernances pour leur permettre, justement, de se mettre en réseau, de se mettre en lien, pour permettre aussi une autre forme de dialogue entre des acteurs publics et des acteurs de la société civile. Ce qu'on a observé, c'est que, par exemple, à Bologne, un des premiers effets, un des premiers impacts, c'est effectivement que les biens communs urbains vivent mieux, mais qu'il y a aussi une relation de confiance qui se retissait entre la ville, l'administration et les acteurs locaux dans un contexte où il y avait tout un passif de corruption, de malgestion, etc. Et donc c'est aussi un endroit où comment est-ce qu'on retrouve du désir d'action collective et comment on retisse aussi de la confiance entre
les administrations et les acteurs publics pour traiter des enjeux qui sont extrêmement prégnants. Je vais laisser la parole à Suzanne qui va présenter un projet qui s'appelle Les lieux communs, qui a été du coup directement inspiré par l'ensemble de ces explorations européennes et de ces mécanismes de communs qu'on a découverts et qui permet de regarder comment est-ce que, très concrètement, ça peut être aussi la voie d'une forme de revitalisation urbaine dans des endroits où justement le service public s'est extrêmement amenuisé. Merci Céline. Merci déjà de nous recevoir aujourd'hui. Donc moi je vais vous parler donc de ce fameux projet lieu commun qui a surtout pour objectif premier d'incarner la logique des communs concrètement sur le territoire à travers l'espace. Donc ce projet a été conçu par la 27e sur l'inspiration de l'enquête européenne dont Céline vient de nous parler, en cherchant à traduire des mécanismes de gouvernance publique commun concrètement dans le contexte français. Donc, pour situer un peu le projet, il est porté dans le cadre du projet Construire au futur, habiter le futur de la région Île-de-France. Et il est également lauréat de l'appel à projet Territoire d'innovation, qui soutient des démonstrateurs à grande échelle et des expérimentations innovantes. Dans ce cadre, en fait, le programme Lieux communs embarque 3 villes pilotes et des partenaires régionaux à l'échelle de l'Île-de-France pour tester et accompagner des projets de partenariat public commun comme levier de réactivation et de convivialité des quartiers franciliens. En fait, ensuite, le projet visera à formaliser ces mécanismes de gouvernance afin de rendre ces mécanismes partageables et transférables à d'autres territoires, pour dessiner à terme des modèles territoriaux qui sont capables de soutenir la logique de commun. En fait, la question qu'on se pose surtout à travers ce projet, c'est la suivante. Est-ce que les communs pourraient devenir la logique qui sous-tend le développement d'une nouvelle urbanité qui serait faite de diversité des usages, de convivialité, d'engagement civique et de soins apportés aux cadres de vie? Plus concrètement, pour vous parler de lieux communs, je vais prendre un des trois terrains qui est celui de la ville de Sevran, où on travaille donc en Seine-Saint-Denis, au cœur du quartier Monceleu. Donc c'est un terrain qui quand même a de multiples enjeux. Donc c'est un quartier qui est classé politique de la ville, qui a des antécédents forts, importants en termes de violence urbaine et de trafic de drogue, une déprise sociale démocratique aussi qui est forte, et un amenuisement des services publics. Comme on a un petit peu vu avec Sylvie tout à l'heure. Dans ce contexte, le pari de la 27e est en fait donc en partenariat avec le bailleur social Villogia, CDC Habitat et la ville de Sevran. C'est de créer un tiers lieu à l'intérieur de ce quartier qui serait inclusif, vivant et intergénérationnel au cœur d'une résidence qui est la résidence Mazarik. Et donc, en fait, à terme, ce lieu commun, enfin, à terme, même pas vraiment, ce lieu commun représente surtout l'opportunité, en fait, de à travers la création d'un espace collectif, de faire travailler ensemble des habitants et des habitantes, des acteurs publics, mais aussi des associations et des entreprises locales pour imaginer collectivement, co-construire et gérer ce lieu partagé. Mais cela suppose d'inventer de nouvelles coopérations, comme on a vu à travers un petit peu Enacting the Common et ce que nous racontait Sylvine, entre habitants et acteurs publics locaux, mais aussi associations et acteurs économiques du territoire, pour faire naître, préserver et gérer en commun des équipements, des services et des espaces. Et donc, dans ce cadre, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre la place des élus et de l'acteur public. Et en fait, avec les communs, les acteurs publics et les élus et l'administration deviennent avant tout les partenaires des forces vives de leur territoire et ont pour place de faciliter leur implication directe dans le développement des ressources en commun. Mais cela induit aussi pour l'acteur public d'avoir d'autres postures, d'autres outils, d'autres instances et d'inventer de nouveaux modèles, des nouveaux modèles de financement aussi, qui vont s'incarner autour de questions très concrètes. Donc, par exemple, comment faire en sorte que l'acteur public ne soit pas le seul porteur ou le seul financeur du projet, comment faire en sorte aussi, comment décider qui choisit les projets, qui les conçoit à l'intérieur de l'espace, qui a les clés aussi simplement, et de façon générale, quelle autre place, quel rôle peut avoir l'acteur public dans ce genre de projet. Donc pour conclure, je dirais que le programme Lieux communs est surtout l'occasion de réinventer les rapports entre différents acteurs à l'échelle d'une ville,
de repenser leurs liens à travers l'appropriation d'un espace commun qui appartiendrait à tous, fondé sur l'horizontalité, l'échange, la convivialité et la solidarité. Et finalement, dans ce que propose le New Bauhaus, eh bien, dans la même lignée, je veux dire, excusez-moi, lieu commun vise à repenser un espace comme vecteur d'imaginaire collectif et de lien social pour construire un nouvel environnement urbain qui serait plus inclusif et plus durable. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Merci vous deux. Peut-être Xavier, une réaction quelque chose sur les questions de gouvernance. On reviendra après à, peut-être à la voix de Xavier Perrin, mais je sais qu'on a des problèmes de collection. Peut-être Xavier, quel est cet enjeu de la gouvernance des espaces, des projets? Mais je pense que là, on est autour de la gouvernance. Alors, je ne sais pas, il y a aujourd'hui un grand débat, existe-t-il plusieurs sortes de communs, mais en tout cas de ces espaces communs. Qu'en pensez-vous? D'abord, bonjour Sylvine et Suzanne. Le projet que présentait Suzanne faisait penser à une rencontre que j'avais faite avec les autorités de la ville d'Espoo, qui est dans la banlieue d'Helsinki, où il y a l'université Aalto, et il y a là-bas un tiers-lieu qui a changé la perspective de la commune et des autorités locales sur leur rôle. Ils avaient commencé par avoir, avec tout un tas d'autres organisations, un tout petit espace dans ce lieu. Et ce qu'ils y ont vu les a convaincus de changer totalement l'histoire de leur rôle. Et ils se sont vus comme jardiniers d'un écosystème. Donc, en gros, la vie, elle est en dehors, elle est ailleurs. Et le rôle de l'autorité locale, c'est de regarder son développement pour essayer de comprendre là où il faut arroser un peu, là où il faut connecter, là où il faut, mais certainement pas cette idée du master plan qui tombe du haut et en espérant que toutes les plates-bandes vont se mettre à s'aligner. Donc, je pense qu'il y a effectivement au cœur de ce projet du nouveau Bauhaus européen un laboratoire de gouvernance. On l'a vu tout à l'heure avec comment on travaille avec de multiples connaissances, expériences, visions, et qu'on les fait converger pour soutenir un effort de transformation, c'est un problème de gouvernance. Comment on positionne les différents niveaux d'intervention entre le niveau européen, le niveau national, le niveau régional, le niveau local, et comment on renforce la capacité de l'orchestration au niveau local qui est déterminant pour les projets de transformation sur le terrain, parce que les projets de transformation n'existent pas comme ça dans l'air, ils finissent par s'incarner dans des lieux, et on a vu que ces lieux sont petits pour faire sens pour les gens qui les habitent. Donc, comment on peut renforcer leur capacité? Ça, c'est une question qui est très importante pour nous. On est en train de mener d'une certaine manière notre propre expérience de gouvernance, parce que on a créé une communauté de partenaires. Pour l'instant, on a un peu plus de 180 partenaires. Et c'est une communauté assez unique en son genre parce qu'on a dans cette communauté des organisations qui sont des organisations grassroots, qui sont porteuses de projets au niveau local, qui jouxtent des organisations, des réseaux internationaux et qui viennent de secteurs, de domaines extrêmement différents. Et on les a réunis à chaque fois qu'on avait des nouveaux paquets d'entrants et on voit un appétit absolument incroyable parce que les réseaux dans lesquels les gens travaillent sont des réseaux qui sont complètement fermés, cloisonnés, où tout le monde pense pareil et où on ne rencontre que ses pairs. Et donc, il y a quelque chose à inventer pour créer un écosystème beaucoup plus riche, beaucoup plus ouvert et pour se positionner en tant qu'autorité publique comme simplement quelque chose qui va dynamiser des échanges, qui va extraire de la connaissance et informer l'action publique par l'observation de finalement un écosystème dans lequel on essaye de renforcer l'autonomie et l'initiative des acteurs et d'essayer de comprendre là où on peut les accueillir. Et donc, nous, on fait notre propre expérience au niveau européen et je pense que dans les suites du projet, il faudra qu'effectivement on réfléchisse à quelle forme de laboratoire on peut mettre en place pour avoir un réel accompagnement qui est différent et qui permet de simplement donner les moyens, d'une certaine manière, à ceux qui sont les acteurs de la transformation sur le terrain, de développer leur projet et de connecter pour le développement de leur projet avec tous ceux qui peuvent être intéressés par le même objectif.
Et donc, je pense qu'il faut arriver à des communautés qui sont des communautés d'objectifs ou des communautés de mission, comme diraient d'autres. Et ces communautés peuvent être très hétérogènes à partir du moment où il y a cette compréhension commune d'un. Et je pense qu'au niveau local, c'est un peu ce qui se réalise au travers du type de projet que Suzanne mentionnait ou que Sylvine commentait d'une manière plus générale. Et cette notion de commun peut peut-être incarner cette espèce d'objectif partagé d'une certaine manière. Merci Xavier Troussard. Je profite de l'arrivée de Xavier Perrin. Bonjour Xavier Perrin pour vous présenter. Voilà, les petits soucis de connexion semblent rétablis. J'espère que vous nous entendez. Vous êtes oui. Vous nous entendez ? Oui. Vous êtes responsable, Xavier Perrin, du conseil en gestion et des systèmes d'information décisionnels au sein de la mission d'aide au pilotage de la ville de Grenoble. Ancien directeur général des services des collectivités, vous avez contribué à la reconnaissance par l'État des enjeux structurels de territoires spécifiques auprès de communautés insulaires notamment. Vous avez piloté la première labellisation ISO 26000 d'une collectivité française engagée en responsabilité sociétale des organisations et accompagné désormais le dépassement de la RSE par la mise en œuvre de protocoles de redirection écologique avec Origins Media Lab. Depuis 2018, vous êtes directeur de projet de la mission commun à Grenoble, justement. Vous avez co-organisé avec la 27e région la première étape d'Enacting the Commons, dont on parlait tout à l'heure, en Italie en l'occurrence, qui a conduit au projet Juriste Embarqué, démarche itinérante et mutualisée de créativité réglementaire autour des lieux créateurs de communs en France, visant la sécurisation d'outils juridiques et de gestion et le développement des partenariats publics communs. Je vous donne bien volontiers la parole. J'espère que vous nous entendez. Oui, je vous entends parfaitement. Et vous m'entendez également ? Absolument. Bon, excusez-moi pour mon retard. Donc effectivement, je pour aller dans le sens, je prends un peu la conférence en cours. Mais effectivement, la ville de Grenoble s'inscrit dans des démarches où la mise en réseau d'expériences à l'échelle française et encore plus européenne et fondamentale pour, je dirais, faire les pas nécessaires à une plus grande horizontalité d'action publique et des expérimentations qui s'enrichissent effectivement des méthodes du design et puis d'approches effectivement nouvelles d'une administration partagée, d'une administration en commun. Donc, vu que je n'ai pas exactement eu les échos de tout ce qui a été dit, ce que je peux effectivement essayer de dire, c'est que nous, on s'enrichit d'une manière colossale en fait, des expériences étrangères, et notamment celles qu'on a pu découvrir en Italie, en Belgique, en Espagne ou encore en Angleterre. On a effectivement un besoin énorme d'expérimenter d'une manière plus ouverte avec les parties prenantes, les citoyens, les usagers sur le terrain. La 27e région a effectivement une écoute particulièrement sensible de ces nouvelles façons de transformer l'action publique et effectivement a su avec brio, je dirais, répondre à des appels à propositions qui nous ont permis, en tant qu'autorité publique locale, de s'enrichir des expériences étrangères. Et donc effectivement, à la fois le design, la transformation publique, des manières totalement ouvertes en fait d'agir désormais avec les habitants, les usagers, les citoyens, et aussi en fait de partager beaucoup plus, parce que finalement l'approche des communs nous apprend à être beaucoup plus humbles et à partager beaucoup plus nos connaissances entre collectivités. Entre élus, entre techniciens. Et donc aujourd'hui, les derniers échanges qu'on a pu avoir avec les homologues d'Amsterdam ou de Marseille ou de Naples, par exemple, pour ne citer que ces villes, en fait, font qu'aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de réussir un peu plus à échanger nos bonnes pratiques sur la gestion des espaces publics, sur la manière de gérer différemment nos propriétés, nos biens communs, d'ouvrir les gouvernances, de travailler un peu plus sur effectivement l'ouverture des instances de la gouvernance à l'ensemble des parties prenantes d'un territoire, d'aller effectivement au-delà même en fait des parties prenantes classiques et de s'ouvrir à des nouvelles entités non humaines. Donc voilà, c'est
Aujourd'hui, on est effectivement, je pense qu'on est dans l'attente de programmes d'accompagnement, d'écoute en fait d'institutions françaises, mais européennes également, pour nous aider à pouvoir déployer un peu plus, en toute humilité en fait, les projets qu'on essaye de mener ici, par exemple à Grenoble. Mais avec lesquels on a envie d'avoir des allers-retours avec nos confrères et consoeurs qui sont dans des villes et qui développent elles également et eux également des démarches sensiblement équivalentes. Donc voilà, on a à la fois des choses à partager sur le plan juridique, organisationnel, de la gouvernance. Et tous ces enjeux, finalement, il faut qu'on arrive à les mutualiser. Donc, tout type de plateforme nous permettront d'échanger. Après, effectivement, les voyages apprenants tels que la Commission européenne avec Erasmus+ le permet, ou des projets beaucoup plus structurants, effectivement, avec du H2020 ou des projets qui nous permettront de réussir vraiment à créer des formes de services communs, finalement, mais quasiment à l'échelle européenne, pour échanger ces bonnes pratiques. Voilà. Oui, merci beaucoup, Xavier Perrin. Sylvine Boischou aussi, je pense que vous souhaitiez réagir. Oui, non, je voulais juste ressouligner, en fait, pourquoi on a invité Xavier. C'est vrai que la ville de Grenoble, en fait, est particulièrement emblématique d'une forme de trajectoire sur ces formes de gouvernance où on part de comment est-ce qu'on partage la gouvernance de petits projets sur l'espace public, de construction d'un banc, d'un skatepark, etc., à comment est-ce qu'on va s'interroger sur comment est-ce qu'on gère l'eau en commun, comment est-ce qu'on s'interroge sur l'avenir de la montagne. Et donc, il y a vraiment une montée aussi en gamme où l'acteur public je ne sais plus quel auteur parle de cette idée qu'il est difficile de penser l'eau quand on est dans l'eau elle-même. Et il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on fait multitude, l'acteur public en une forme de pair à pair avec les humains et les autres. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant, mais du coup, ça monte aussi en gamme en termes de complexité. Quand on essaye de donner une personnalité juridique à un fleuve, à une montagne, à une forêt, on est dans d'autres formes de recherche juridique, de recherche comptable, quand on essaye d'aller comptabiliser à côté du capital financier, le capital social, environnemental, etc. Et c'est bien vers ça, en fait, qu'on peut, si on devait imaginer une trajectoire de gouvernance et une trajectoire en commun, c'est bien vers ça qu'on pourrait imaginer tendre, ou en tout cas, c'est ces endroits-là qu'il faut ouvrir de recherche et développement, d'expérimentation, et donc, quelque part, d'interaction entre des designers, des anthropologues, des juristes, etc. Et je pense que c'est à cet endroit qu'il faut porter aussi le regard. Alors, c'est vrai que j'avais pas trop insisté sur la... Ça a été donné un petit peu dans l'introduction, mais c'est vrai que sur les enjeux de redirection écologique, de comptabilité écologique, en gros, pour dire les choses différemment, de mesurer ce qui compte, effectivement, l'approche des communs, en fait, amène de l'horizontalité et un respect, un partage. Et aujourd'hui, effectivement, à travers d'autres expérimentations qu'on mène à la ville, notamment sur l'implémentation d'une comptabilité écologique qui s'appelle la comptabilité CARE, qui est développée par Paris Dauphine. L'idée, c'est effectivement de réussir à avoir des phases. Sylvine a parlé d'anthropologie. Là. Ben, en fait, effectivement, d'en arriver quasiment à des racines de questionnement sur ce qui compte aujourd'hui, en fait, et d'aller sur les représentations de tous ces enjeux que sont les biens communs. Et puis de voir comment effectivement aujourd'hui il faut réussir à les intégrer dans l'ensemble des prises en compte des politiques publiques. On essaye parallèlement à la prise en compte effectivement de meilleurs des biens communs sur un territoire, d'intégrer effectivement l'ensemble des parties prenantes dans la gouvernance, mais aussi de réussir à avoir d'autres outils de mesure. Et c'est en ça aussi qu'on est aussi accompagné par la 27e région sur un projet naissant, là, qui s'appelle Nouvelles Mesures, et qu'on essaye d'expérimenter ces nouvelles façons de compter,
pour savoir finalement comment mieux mesurer ce qui compte véritablement, en gros, ce qui est capital. Donc voilà, c'est effectivement, il y a aussi c'est des chantiers qui sont un petit peu complexes, sur lesquels on a effectivement besoin de défricher et pour lesquels on a vraiment besoin aussi d'être en réseau, parce que quelquefois on est un peu seul avec quelques chercheurs. Mais l'idée, c'est effectivement d'aller vite sur le terrain et puis de confronter ça à des enjeux concrets, quoi. Et donc effectivement, pour juste terminer sur ce que disait Sylvine, l'approche des communs, ça peut être à la fois du bien commun, des enjeux très méta, hein, l'air, l'eau, effectivement l'énergie, mais ça peut être effectivement gérer en commun des petits dispositifs, je dirais, qu'on va trouver à l'échelle d'une rue, d'un espace public, etc. Voilà, c'est multi-échelle et voilà, ça ouvre plein de perspectives. Merci beaucoup Xavier Perrin pour ces perspectives que vous nous ouvrez. Merci aussi à vous Sylvine Boischoussi et Suzanne Liègre, avec plaisir à nouveau avec nous, je l'espère, pour une prochaine édition. Alors voilà, nous avons essayé, tenté d'explorer voilà, les questions posées par cet objet du nouveau BOSS européen impulsé par Ursula von der Leyen lors de son discours de l'état de l'Union le 16 septembre dernier. Nous étions dans un autre contexte voilà, sanitaire notamment, dont nous nous relevons petit à petit, pas partout dans le monde, mais en tout cas en France. La démarche était de partir de ce qui se fait déjà, en posant à partir d'actions simples, d'actions du quotidien, des jalons de ce que pourrait être ce nouveau BOSS européen. Xavier Troussard, j'ai bien envie de vous laisser la parole pour une rapide remise en perspective de ce que nous avons vu. Alors voilà, c'est une question vaste, une conclusion ouverte peut-être, aux quelques mots à propos de ce que nous avons traversé ensemble. Merci. Bon, je vais être bref, mais je vais m'inspirer peut-être en partie d'un mot que Xavier vient d'utiliser. Il a parlé de modestie. Je pense qu'on est à un moment un peu paradoxal où il faut être extrêmement ambitieux parce que l'urgence climatique, l'urgence sociale réclament une transition ambitieuse, une réflexion qui est une transformation. Il ne s'agit pas simplement de raccommoder ici et là, mais probablement d'engager des transformations profondes dans nos sociétés, dans nos territoires. Et l'action publique, pour ce faire, doit se faire modeste, d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que, c'est Xavier qui le soulignait tout à l'heure, pour ça qu'il faut commencer avec beaucoup d'humilité et commencer par écouter. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le mois de janvier, c'est d'écouter ce que les personnes et les organisations intéressées par cette idée du nouveau BOSS européen nous disaient, de ce qu'ils trouvaient inspirant autour d'eux, qu'ils voudraient voir se développer ou se multiplier, aussi leur vision, y compris radicale, de transformation, et puis aussi les problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils pensent que le nouveau BOSS européen pourrait aider à traiter. Donc ça, c'est une première dimension importante, commencer par écouter et continuer dans le développement du projet et dans sa mise en œuvre, à être à l'écoute et à créer ces circuits de retour qui permettent d'optimiser l'intervention publique. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est connecter et partager. C'est quelque chose qui est revenu dans plusieurs interventions. Je pense que ce projet du nouveau BOSS européen doit trouver les moyens, c'est en partie de la gouvernance, c'est en partie, on l'a vu, un bon usage du design. C'est beaucoup de coopération et d'échanges à différents niveaux, mais on doit permettre de mobiliser l'ensemble des ressources, l'ensemble des savoirs, l'ensemble des expériences et l'ensemble des bonnes volontés pour engager ce mouvement de transformation. Et donc, le nouveau BOSS européen doit être ce laboratoire d'une nouvelle communauté qui coopère, qui partage, en vue de faciliter, accélérer et rendre plus pertinente et satisfaisante la transformation. Donc voilà, ambition, modestie. Les prochaines étapes pour nous, c'est l'analyse de tout ce que nous avons récolté au fil des derniers mois. La phase d'écoute proprement dite s'arrête à la fin de ce mois-ci. Et la Commission tirera, je dirais, les leçons de cet exercice dans une communication qui viendra en septembre. En septembre, nous aurons aussi un premier
paquet d'initiatives concrètes qui essaieront d'aborder un certain nombre des dimensions au travers d'appels à propositions ou d'autres types d'interventions. Donc voilà, je donne rendez-vous à ceux qui souhaitent encore partager leurs idées sur notre site web pour contribuer à la phase de co-design, et puis pour les autres, probablement en septembre, avec toute une de développement et d'annonces. Oui, merci. J'espère que je pense que l'auteur dont citait Sylvine Bouchoussi tout à l'heure, ça devait être, en tout cas, ça m'a rappelé cette anecdote de, non pas une anecdote, mais le début du discours de David Foster Wallace qui commençait par l'histoire de deux poissons. Donc deux jeunes poissons sont en train de se promener dans l'eau, et puis un vieux poisson passe et questionne les deux poissons, est-ce que l'eau est bonne aujourd'hui ? Puis les deux jeunes poissons répondent pas, et le vieux poisson s'éloigne, et un des deux jeunes poissons demande à l'autre mais c'est quoi l'eau ? Et c'est peut-être un peu ça aujourd'hui qui est devant nous, c'est que c'est difficile de nommer l'eau. C'est à la fois la culture, c'est à la fois les événements, c'est à la fois les transformations, hein, cette chose. Et je crois qu'effectivement, il nous semblait vraiment important d'aller dans la compréhension de l'initiative sur le New Bauhaus, parce que peut-être c'est un des moyens de peut-être saisir cette eau ou de comprendre qu'est-ce que c'est que l'eau et comment on peut agir sur l'eau. Alors en tout cas, merci beaucoup Xavier Troussard pour cette présence et de vous être prêté au jeu de questions qui n'ont pas deux fois été complètement, j'espère, nous n'avons pas été complaisants, justement. Alors, modeste dans les questions, mais en essayant de poser tous les angles des questions. Bien évidemment, nous remercions l'ensemble de nos invités, et particulièrement Camille Pajard, Patrick Bouchain, Eleftherios Kechagioglou, Sylvine Bouachoussi, Stéphane Vincent, Suzanne Liègre de la 27e région, Marie Preston, Shelley DeVito, James Porter, Desmoulins Paillard, j'espère que je n'oublie personne, pour leur coopération et les différentes rubriques ce matin. Nous vous remercions, nous rendons l'antenne quasi à l'heure, et donc le Relais Culture Europe est soutenu par la Commission européenne, le ministère de la Culture et de la Communication, le CNC, ainsi que différentes régions françaises. À très bientôt pour explorer peut-être de nouvelles initiatives communautaires et d'essayer de se donner des clés de compréhension. À bientôt.